Tous, bienvenue dans votre émission. Live, le SFC Live dans quelques instants avec le duo de choc, véritablement avec notre ami Thibert Pont et Mathias Vitkiewicz qui vont faire vivre cette rencontre de l'intérieur avec des anecdotes et bien sûr vivre ce match au sommet entre le Servette FC et Young Boys. Et vous allez le voir avec une composition un petit peu particulière pour le Servette FC. Vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus dans quelques instants avec ce duo de choc qui ont préparé 2-3 surprises assez exceptionnel. Donc on va les retrouver dans un instant, mais avant cela, je vous propose l'émission au cœur du vestiaire Grenat, tournée hier à Balexer, qui revient notamment sur la préparation physique. C'est avec également une immersion avec Mathieu Degrange. C'est parti, et puis dans un instant, on va vous retrouver bien évidemment le duo de choc Thibert Pont et Mathias Vitkiewicz. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission au cœur du vestiaire Grenat, ici tourné à Balexer, avant le dernier entraînement, avant le choc entre Servette et IB. On se retrouve avec Anthony Garnier, préparateur physique. Comment la récupération s'est passée après le 2-2 face à Lucerne? Plutôt pas mal, on a pris le temps, on est allé à l'hôpital de la Tour pour vraiment essayer de recharger les accus de chaque joueur et on espère avoir des troupes en pleine forme pour ce match. Trois matchs en l'espace d'une semaine, c'est intense pour les organismes. C'est très intense, ouais. C'est très intense, c'est un beau challenge pour tout le staff médical, le staff de la préparation physique. C'est aussi un beau challenge pour les joueurs parce que c'est beaucoup de matchs, c'est de la gestion, c'est un professionnalisme qui doit être encore poussé à l'extrême. Et pour l'instant, on a des joueurs qui répondent bien, on espère que ça va continuer comme ça. Comment vous gérez justement cela? Comment on les gère? Aujourd'hui, c'est récupération. Très, très peu de travail, faut être honnête. C'est, l'accent prioritaire est axé sur la récupération physique, mentale. Et après, on met juste des petites impulsions pour garder de l'énergie et pour remettre l'organisme en route. Mais c'est vraiment quelque chose de très light. Et justement, par rapport au déplacement, c'est important de dormir une nuit avant sur place pour récupérer?
Alors, il y a plusieurs écoles. Nous, on a fait ce choix-là. On a fait ce choix-là. Je pense que c'est le... Bah, si on l'a fait, on estime que c'est le bon. Hein. Mais non, je pense que le fait justement de voyager dans la journée, avoir du temps pour arriver, se poser, dormir, faire une bonne nuit de sommeil, pas être dans le rush le matin du match, c'est important. Comme ça, on a vraiment du temps, on peut vraiment optimiser chaque minute. Et en plus, avec le super boulot que font les physios et les masseurs, c'est important. Et du coup, on met toutes les chances de notre côté en tout cas. Alors, vous n'êtes pas le seul préparateur physique, également Mathieu Degrange. On l'a rencontré en immersion à l'occasion de la rencontre entre Sion et Servette il y a quelques jours. On regarde tout ça. C'est fortissimo. Ah, c'est fortissimo. La stessa attività che hai fatto. Pèse sur cette défense là. Fais le péter ce bamert. Pèse dessus, pèse. Là, c'est magnifique les garçons. Il n'y a rien de mieux. Un bon derby, bien joué. Ce soir on joue bien, on gagne, on va la chercher. On gagne ce soir. On fait du grand foot et on gagne. C'est parti, après ta passe, tu changes de rythme. Comme d'habitude, mets du rythme. Voilà, allez, tu testes, voilà, c'est ça. Passe et change de rythme. Voilà, c'est bien, Andrea, allez, encore. Hein, notre super performance, ça passe toujours par jouer vite et pressé. Jouer vite et pressé. Avec ça, on va gagner. Jouer vite et pressé. Allez, c'est parti, mon dino. Oh, bien, bien, bien. Bravo! C'est exactement ça tout à l'heure. Va dans la boîte. Finis dans la boîte. Tu vas marquer, Timo. Cherchez, va devant. Là, 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 là. Hein, tu te prépares à ça, un grand match. On va chercher la perf. Allez. Ils sortent pas! Ils sortent pas! À droite. À droite de... Il est gaucher. Hein. Bravo Jay! Bravo Jay! Ça mon Jay! Je t'avais dit à droite. Voilà. Voilà, continue à rechercher la profondeur. La profondeur! La profondeur! Devant, Fornet. Abandonne. Frappe! Frappe! Ouais! Bravo Timo! On l'avait dit hier! Yes. Il a joué comme ça, vers l'avant, des dangers. Restez concentrés. Super Timo! Continuez à prendre la profondeur les gars, vous êtes dangereux à chaque fois que vous êtes derrière eux. That's it Micha. Soupa. Indetife. Continuez à attaquer comme ça leur ligne de 4 là. Continuez à attaquer leur ligne de 4, ils vont craquer les gars. Allez, continuez à attaquer leur ligne de 4, les gars, allez! Alors, Anthony, comment se passe votre relation avec Mathieu? Écoutez, ça va bien. Ça va bien. C'est un personnage, Mathieu, donc c'est toujours intéressant. Non, il a de grandes connaissances. Donc, il a beaucoup plus d'expérience du football suisse que moi. Donc, c'est un vrai plus. Également, 5 changements. Ça, c'est aussi une gestion pour vous à gérer. C'est une gestion. Alors là, c'est plus une gestion de coach. Hein. Nous, sur l'aspect physique, on donne nos avis, bien entendu, sur l'économie de certains joueurs, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper les prochains matchs. Après, on a la réalité du jour J. Si tu veux nous parler. C'est ça. Je pense que ces 5 changements-là, ils apportent plus de questions au coach qu'au préparateur physique. Bien sûr, nous, ça nous donne des cartes. Mais après, il faut faire le choix de les utiliser. Et je pense que c'est pas évident. C'est pas évident. Ça permet d'économiser des joueurs, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie dans un match important, serré, de sortir nos meilleurs joueurs pour les économiser? C'est toujours difficile. Alors oui, c'est un outil qui peut être utile, mais il faut savoir l'utiliser au bon moment. C'est pas évident, je pense. En parlant de joueurs, on va retrouver Loïc Luchard bien accompagné avant le match Servette Libé. Réaction avec 2-3 joueurs. C'est à vous Loïc. Oui Jérémy, je suis avec Timothée Cogna. Après cette belle rencontre, donc double buteur depuis la reprise, on va simplement lui demander comment il se sent avant cette rencontre de demain contre eBay.
Bah, bonjour à vous, je pense que l'équipe se sent bien. Voilà, on a eu un jour de, on va entre guillemets dire, de repos hier. On a eu juste la récupération. Donc voilà, on est frais pour attaquer ce match contre IB. Tu n'avais pas marqué de la saison là, 2 buts en 2 matchs, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je pense que le confinement m'a fait du bien. Voilà, maintenant c'est bien, j'ai trouvé un peu le chemin du but, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Avec Boris Cespedes, buteur à Lucerne, deuxième but de la saison, quelle sensation? Bah, ça fait toujours plaisir de marquer, de pouvoir aider l'équipe. Moi, surtout avant, j'étais attaquant. Qui mettait, quand il y a ce sentiment un peu qui me manque. Jingle, ça dit quoi? T'as essayé? Et en plus, c'était un but assez joli, du coup, c'était cool. Un vrai geste de buteur, hein, finalement, t'as rien perdu. Rien perdu, c'est beaucoup dire, mais ouais, elle arrive et après je l'ai fait assez instinctivement et le pied gauche, normalement c'est pas toujours ça, mais là c'est rentré, tant mieux pour moi et pour l'équipe. Les matchs s'enchaînent, IB demain à la maison, tu t'attends à quel genre de rencontre? Ok, donc on les attendra un peu. IB, on sait que ça va être très physique, une équipe athlétiquement supérieure, je pense, à toutes les autres équipes de Super League. Et nous, les matchs, ils commencent à s'enchaîner. On commence à avoir 2-3 blessés, 2-3 suspendus, on a rouillé. Moi, c'est la qualité. Et voilà, c'est compliqué pour nous comme pour toutes les autres équipes. Qu'on se mette là. Faire le mieux possible. Jérémy, les matchs s'enchaînent à une vitesse folle. Mais toi, finalement, ça va? T'es là toujours là, tu sors les bons arrêts au bon moment? Ouais, pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. J'espère que demain, ce sera la même chose. Je pense que demain, j'aurai encore plus de travail que d'habitude. Mais ouais, les matchs s'enchaînent très rapidement. C'est un peu compliqué, voilà, on a perdu pas mal de joueurs, j'espère que demain on va quand même avoir un effectif. Tu avais dégoûté Nsamé au Stade de Suisse pour la première journée de championnat, t'es prêt à refaire la même chose demain? Ouais, j'espère, pour l'instant Nsamé a pas marqué contre moi, j'espère que j'arriverai à le faire encore un petit moment. En tout cas, je pense que ce sera un beau duel à distance, en tout cas entre Nsamé et puis notre défense. Ton pronostic? Je crois que ça va bien. Ouais. Petit match nul, après à quel score je sais pas, mais un petit match nul. Si on peut grappler une victoire, ce serait très cool, mais je pense que les équipes sont très fatiguées, mais ils ont l'avantage de tous avoir un peu moins couru que nous contre Neuchâtel. C'est quoi ce match? Merci Jérémy. Voilà Jérémy, ce qu'on pouvait dire à quelques heures maintenant du match contre Young Boys. Je vous renvoie la parole et le micro. Ça, c'est la phrase calme. Ok, parfait. Merci Loïc, Anthony Garnier, la clé pour ce match seul face au leader, Young Boys. Être fort sur ce qu'on sait faire. Essayer de maintenir cette armada offensive qu'a IB. Ce sera pas évident. Ce sera pas évident. Après, il faut jouer comme on l'a fait à la maison lors du dernier match, avec du cœur, avec des principes clairs. Il n'y a pas de raison que ça passe pas cette fois. On croit en tout cas. Merci beaucoup, avec plaisir, Anthony, d'être venu dans cette émission. Il est l'heure, comme chaque semaine, de la Minute Gaga. C'est la Minute Gaga. Aujourd'hui, je donne la parole aux abonnés qui ont généreusement renoncé au remboursement de leur abonnement 2019-2020. C'est parti! Combien de temps ça fait que vous êtes abonné au club? Abonné? Ça fait déjà 3 ans que je me suis mis vraiment à supporter le club. En tout cas 20 ans, je pense. Ouf, on compte plus, on n'ose plus dire. Pourquoi avez-vous choisi de soutenir le club dans ce moment difficile? Parce qu'on l'a toujours fait. À chaque fois qu'il y a eu un moment difficile, on a toujours donné notre temps et le peu qu'on avait pour eux. Petit pronostic pour ce match? J'aimerais bien une victoire de Servette, mais avec les premiers, il faut se méfier. J'espère une petite victoire, 1-2-1, surtout avec les 2 derniers résultats, donc on verra bien la suite. On remercie tous nos abonnés pour leur soutien tout au long de l'année et on vous souhaite un bon match. Merci Gaël Talman, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Prochain rendez-vous de l'émission Au cœur du vestiaire Grenat le mardi 7 juillet à 18h avec comme invité Vincent Sasso. Excellente soirée, bon match à tous les Servettiens et à très vite.
commences, Mathieu. Bah là, les joueurs, ils rentrent. Il y a les joueurs qui rentrent, mais il n'y a que les joueurs du Young Boys. Bonsoir à tous, bienvenue au stade de la Praille pour ce nouveau SFC Live. Salut Mathieu. Salut Thib. Un match qu'on attend avec impatience hein, contre le champion en titre, le double champion en titre, IB. Servette qui est privé de plusieurs éléments importants. On va donner la chance aux jeunes aujourd'hui. À quoi tu t'attends? Oui, exactement. On a en défense, on a perdu Sasso. Sasso et Al Pacino qui sont blessés et puis Rouillet qui est suspendu. Donc voilà le patron de la défense qui manque, le latéral gauche, la défense centrale qui manque. Donc c'est un gros coup dur pour Servette pour aujourd'hui, pour affronter une des meilleures attaques des Suisses, dont notamment le meilleur buteur des Suisses est Jean-Pierre Nsamé. Alors que Servette rentre sur le terrain et c'est une ovation des 1000 spectateurs présents. Donc on a... Pour vous donner un petit peu l'image du stade, on a les deux côtés qui sont un petit peu remplis. Donc je pense qu'ils ont divisé 500-500 hein, plus voilà, ou moins. Voilà, exactement. La tribune nord qui est vide. Avec des espaces entre chacun. Tribune nord qui est vide, c'est vraiment dommage. C'est triste, mais voilà, j'espère qu'il y a bientôt... Une pensée hein, pour les supporters qui nous regardent. On est là. Notamment pour la section Grenat qui est toujours là. Voilà, malheureusement, à cause du coronavirus, c'est comme ça que... Voilà. Donc du coup, il y a un petit peu de soleil dans la tribune du face, en face là-bas. Et des conditions idéales. Hein, de des conditions idéales pour jouer, exactement. Temps magnifique. Et puis voilà, on s'attend à avoir un bon match. Et voilà, l'équipe des Young Boys est au complet. Et j'ai vu la feuille des matchs. Waro est même pas dans les remplaçants, mais sinon l'équipe est au complet. Et puis voilà, ouais, c'est sûr que côté Servettien, dans la défense, il y a pas mal de jeunes qui vont jouer. Donc, alors là, on va observer une minute de silence, hein, bien sûr, pour le coach, l'ancien coach du Servette, Ilya Petkovic, qui a été champion suisse en 1994. Une grande, grande, grande pensée pour lui. Moi, personnellement, il m'a fait vivre des moments incroyables. Donc, Ilya, si on gagne aujourd'hui, c'est pour toi. Il a travaillé aussi avec ton père, notamment. Exactement, exactement. Ouais. Donc, on observe la minute de silence et on pense à Petko. Voilà. Petko, on pense fort à toi depuis ici, depuis le stade de la Praille, que tu n'as pas connu, mais que voilà, tu as été une légende du Servette et vraiment des moments inoubliables. On se concentre sur le match. Exactement. Servette qui fait son rond habituel. IB qui est déjà en place. Donc IB, comme tu l'as dit, hein, une équipe vraiment au complet. Servette va avoir l'occasion de donner sa chance aux jeunes, certainement. Il y a déjà Vouillot qui est titulaire. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les jeunes là, qui sont là? Bah écoute, ça montre que Servette compte sur les jeunes. Et aujourd'hui, on le voit sur le terrain. Malgré qu'il y a des blessés, on fait appel à eux. Donc voilà, j'espère qu'ils vont répondre présent. Ça va être un gros test pour eux parce qu'il y a l'Armada en face avec Nsamé devant Fasnacht. Il y a vraiment Gamaleux, ils ont une puissance de frappe énorme hein, IB. Exactement, donc il y aura vraiment du boulot pour cette défense servettienne. Donc aujourd'hui il faudra faire un match parfait pour remporter les 3 points. Ballon pour Kiai au milieu qui va engager. On est comme d'habitude en attaque côté tribune sud, côté Servette. Donc les Servettiens vont attaquer côté tribune voilà, sud. Le match commence. Premier long ballon en direction ballon Micha. Sur Micha qui perd le premier duel, Sautier récupère. IB qui parvient à se dégager. Micha qui a pris un petit coup sur la tête avec le Tomba. Les deux se prennent la tête un peu, mais il est costaud notre Micha. Nsamé au duel avec la défense servettienne. Premier duel gallier pour le jeune Vouillot. IB qui récupère. Voilà. Donc on a Tassard latéral gauche et Vouillot qui joue dans l'axe avec Routis. Est-ce que Tassard a le profil pour jouer latéral gauche? Alors moi je pense que oui. Moi je pense que oui. C'est un joueur du couloir, il est gaucher. Donc je pense qu'en plus il pourrait amener un... Il pourra amener un peu sur l'offensive. Donc s'il fait le boulot défensif, après il aura de l'espace pour attaquer comme latéral. Quoi. Alors ça se bat beaucoup au milieu de terrain pour l'instant. Hein, IB qui parvient à ressortir la balle côté gauche.
Lotomba qui s'avance et on est au milieu, sur la ligne médiane, il ressort tranquillement. Voilà, eBay qui va essayer de mettre un petit peu son jeu en place. C'est aussi une bonne équipe de ballon, hein, eBay, ils arrivent à conserver la balle. C'est surtout une équipe avec un impact physique au-dessus de la moyenne. Oui, non, c'est sûr, quand tu as Enzame devant qui c'est une pièce, une machine, et pour le boucher, c'est vraiment dur. Et puis Young Boys surtout qui est en train de jouer pour les titres. Donc la pression, c'est eux qui l'ont aujourd'hui. Ils sont obligés de remporter les 3 points parce qu'il y a les petits jeunes des Saint-Gall qui sont avec eux devant. Absolument, pour absolument. Cette lutte. Absolument. C'est d'ailleurs une lutte qui fait plaisir hein, parce qu'on n'attendait pas Saint-Gall à ce niveau. Et bon, moi, personnellement, j'adore Saint-Gall. J'adore le jeu qu'il propose. J'adore le dynamisme. Alors qu'on est là un petit peu en pause hein, parce qu'il y a un joueur de. C'est le tomba dans le duel avec Micha qui s'est fait mal à la tête. Mais voilà, Micha, il est costaud. Voilà, le jeu et est arrêté petits, pour l'instant. Le petit Lotomba qui est sorti, je pense qu'il doit saigner un peu de la tête. Donc c'est Lefort hein, qui joue en défense centrale avec Camara côté IB. C'est Lefort donc, qui fait la touche côté gauche. On est dans le camp servetien. Ballon pour Ngamaleu, mais c'est Sautier qui s'interpose. On est toujours dans le camp au 30 mètres servetien. Et toujours Lefort qui se charge de la remise en jeu. Les faux qui sort du coiffeur, on dirait. Il a fait une belle coupe, il a fait un brushing. Il nous a fait une Justin Bieber, hein, mais un peu plus long. Lefort qui fait la remise en jeu sur... Sautier qui arrive à dégager, mais c'est toujours ballon pour l'IB. Attention, côté droit. Côté droit, on bascule. On va voir Tassar s'il répond pression défensivement, mais moi je le sens assez bien. Mais il va faire son match, Tassar, c'est juste. Le tomba sur le côté gauche, avec Yamal qui dédouble. Yamal qui va pouvoir centrer, et c'est Sautier qui s'interpose. Micha qui peut dégager. Kiaï qui récupère. On est toujours dans le camp servetien. Kiaï qui obtient une touche, bien joué. Lustenberg. Servette doit pouvoir un peu réussir à poser un peu le pied sur le ballon hein, parce que c'est certainement IB qui va essayer d'attaquer. IB doit gagner. Servette, c'est une équipe un petit peu expérimentale. On sait qu'on est plus ou moins sauvé, on risque plus la relégation, donc c'est que du bonus tous ces matchs et c'est aussi l'occasion pour les jeunes d'engranger de l'expérience. Exactement, c'est les jeunes c'est l'occasion pour montrer leur talent, pour montrer qu'ils sont pas arrivés là par hasard. Donc et puis on joue contre le champion suisse. Donc là t'es dans le vif du sujet c'est directement. Une opportunité au nord pour eux. Donc Jérémy qui dégage au pied sur Kiaï. Koneke qui se bat avec Lefort. C'est IB qui gagne le duel. Kiaï qui récupère malgré tout. Micha. Non, IB qui arrive à se dégager. Touche. Sur le poteau de corner. Allez, c'est bien Servette. Le public, 1000 personnes, c'est différent que 300 personnes. Exactement, malgré tout. Il y a plus de bruit que la dernière fois. Et puis voilà, Alain Geiger qui a opté pour jouer avec 12 attaquants. Une tactique malgré tout offensive. Hein. Sautier qui change la touche. On est au poteau de corner. Servetien. Boris qui essaye d'appeler le ballon. Micha aussi. C'est certainement. Hein, c'est Boris qui va le recevoir. Il rejoue sur Kiaï. Kiaï qui est dans les 16 mètres. Attention. Kiaï qui essaie de se retourner. Bien c'est joué, corner. On n'a pas fait les paris. On n'a pas fait le paris. On va lancer les paris. Donc, premier corner. On voulait faire des paris sur le corner. On a oublié. Bon. Voilà. C'est quoi le prochain? Les prochains, je sais pas, mais allez, hors-jeu, les prochains hors-jeu. Moi, j'ai dit hors-jeu pour Servette. Bon, moi, j'ai dit hors-jeu pour IB, alors. Voilà. Donc, il y a Micha qui va tirer. Micha, corner. Ça part. Il est super bien botté. C'est au premier poteau d'IB qui parvient à se dégager. Et IB, on est au coin des 16 mètres. Ils sont pas serrants, IB. Cognac essaie de centrer. C'est Vendure qui récupère. Et on revient dans le camp avec Frick même qui laisse filer. Ouh, attention, Gris. Frick qui dégage directement sur Van Balmos. Van Balmos qui va relancer gentiment à la main sur Lefort, côté gauche. De nouveau, on est tout le temps attiré par ce côté où il y a les bancs, c'est assez impressionnant. C'est même quand il y a du public de l'autre côté, on joue tout le temps automatiquement côté banc, côté tribune principale. Là, on voit que Servette, il les attend un peu... Servette n'est pas aussi haut que contre Lugano. Il les attend un peu à 10 mètres du rond central. Et puis il laisse jouer derrière assez. Mais bien joué Boris qui récupère le ballon. Bien revenu, au milieu de terrain, il y a faute pour Servette. Super récupération de Boris au milieu de terrain. On est sur la ligne médiane. Hein. Sautier qui se charge, on est toujours sur le côté droit servetien. Sautier qui va se charger. Non, Sautier qui va laisser. Il va laisser au petit jeune Vouillot. Ah, Vouillot qui va nous mettre une petite longue. Ou alors est-ce qu'il va jouer court? On va voir. Il va certainement jouer long. Voilà, c'est fait sur... C'est un poil long. C'est un poil trop long. Koné qui n'arrive pas à récupérer. Qui a essayé un contrôle difficile. C'est, et puis, c'est un 6 mètres. Mathilde, la semaine écoulée pour Servette, positif, négatif, les deux matchs à l'extérieur.
Alors écoute, on va dire… Juste une petite précision, Servette qui a de nouveau à deux, ses deux attaquants côté vraiment contre les 16 mètres de IB et qui récupère la balle. Et là, ils sont allés presser haut la sortie de balle dans les 6 mètres. Servette, ils sont là, ils sont dans le match. Ils sont pressants, ils répondent au duel. Donc, donc c'est très bien. Le terrain. Donc la semaine, négative, positive, ces deux matchs nuls à l'extérieur. Alors on va dire qu'on a fait un bon point à Sion vu la physionomie du match avec Frick qui a sorti un penalty. Et puis par contre à Lucerne, c'est sûr qu'on est passé à travers la deuxième mi-temps avec la blessure notamment d'Al Pacino. Al Pacino, ouais, qui peut-être ça lui laissera le temps de préparer son prochain film. Exactement. Donc, touche voilà. Côté gauche pour Servette. Et écoutez le public, ils sont là. Ça fait pas plaisir. Si on entend, mais ça fait plaisir de voir la praille qui fait du bruit. Ça fait bizarre même. Mais c'est magnifique. Là, on voit qu'on joue à la maison. Là. Camara, là. On est dans le camp d'IB qui a toujours le monopole du ballon, mais qui se montre pour l'instant pas dangereux. Je sais pas toi, mais ça m'a fait quand même des petits frissons. Bah, ça bien fait sûr, quelques, c'est beau de voir. Ça faisait quelques temps que je n'entendais pas Servette, ça fait vraiment plaisir. Balle au milieu du terrain. Voilà, tu vois, Tazar, c'est ça qu'il pourrait amener. Tazar qui essaye de déborder. Et attention, parce qu'il a la 8, il pourrait sortir la biscotte. Et la petite carte jaune. Et c'est JP qui a fait la faute, hein, qui est revenu défendre sur notre côté gauche. Bah, la 8, il est gentil là, parce qu'on est au milieu du terrain. Quand même, tu vois, ça c'est la vitesse de Tazar qui pourrait amener sur son côté. Petit anti-jeu de JP. Hein. Oui. On aurait pu sortir la biscotte. Jérémy Frick, avec la balle, il est au 20 mètres. Il a tenté le pied gauche. Il nous a fait une longue passe qui allait directement sur le banc Servette. Il a tenté le pied gauche, un peu comme Ter Stegen à Barcelone. Voilà. Bon, on va dire il n'y a pas les mêmes pieds. Le fort avec Camara au 30 mètres d'IB, toujours IB qui a le ballon. Interception, bien joué de Konya. Côté gauche, qui rejoue en retrait sur Ondura, qui rejoue sur Konya. C'est très bien joué. Camara vas-y. Camara qui nous fait une aile de pigeon et qui va essayer de se dégager. Il parvient à se dégager. C'est Ondua qui récupère aux 30 mètres de IB. On est toujours sur le côté gauche. Bien joué. Mets-lui. Boris qui a la balle au 20 mètres. C'est super ça. Le poteau. Oh là. Et c'était pas loin ça. C'était pas loin. IB parvient à se dégager. Enzami au duel au milieu de terrain. Attention. Il conserve pas la balle. Bien joué Routis. Et on pose le pied sur le ballon, excellent, avec Vouillot qui joue dans les pieds de Micha. Micha qui essaie de remettre en première intention, il n'arrive pas. IB qui récupère, attention au contre, hein, parce qu'on est découvert, faute pour IB. Servette est clairement supérieur en ce début de match à Young Boys. Pour l'instant, IB n'arrive pas à faire sauter le verrou servettien, qui est malgré tout très haut, hein, on ne s'attendait pas forcément à ça. Hein. Attention, on ne va pas laisser trop d'espace quand même. Gamal sur le côté droit, à la tête avec Routis. Gamal qui essaie de centrer. Non, elle est sortie, Bien joué. Bon, les Grenats qui sont là dans les duels et qui n'ont aucun complexe face à IB. Très tout à fait, il faudra faire attention à Enzame, à ne pas lui laisser quelques centimètres. C'est le meilleur buteur du championnat suisse. Il a 23 buts en 22 matchs. JP qui fait une saison. Il est en pleine forme. JP qui fait une saison impressionnante. La poste du Covid. La poste du Covid. Ils vont livrer le courrier. Non, mais ça l'a pas perturbé en fait. Micha au duel au milieu du terrain. Et c'est Lustenberger qui gagne le duel, mais il la met en touche. La poste forcée, j'ai dit ça, si jamais. Ah, j'ai compris la poste. Non, la poste. Ah, mais bon, avec ton accent aussi, je dois te dire la traduction. On se connaît depuis des années. Ouais, c'est vrai, mais je dois toujours avoir la traduction. Là, tu dois avoir le traducteur en toi, là. L'effort au duel. Voilà, l'effort qui protège la balle, 6 mètres pour... On dit 5 ou 6 ? 5 ou 6, c'est... 5 et demi. Ça dépend les terrains. Voilà. C'est Von Balmos qui joue dans les pieds de Lustenberger. On est dans les 16 mètres d'IB, mais Servette qui est très très haut. Boris qui a été faire le pressing sur le gardien de IB. Enzame, attention, on est dans le camp servettien, côté droit. Attention, Tassari, il est un peu c'est trop. C'est Gamal qui centre. Non, c'est. Attention, dans les... attention, on est dans les 5 mètres servettien, on arrive à se dégager. Magnifique. Joué, Konya, à gauche, il essaie de déborder. Touche pour Servette. Heureusement, action très dangereuse de IB. On était vraiment à deux doigts de la catastrophe. Cette touche aux 30 mètres servettien. Ouais, c'est un match intéressant, Tibert. Complètement. Je sais pas ce que tu en penses. Complètement, Mathias. En tout cas, je prends du plaisir. Là, c'est Tazar qui n'a pas l'habitude de faire les touches. Il arrive à jouer sur Koné. Bien joué, Konya qui remet sur Koné. Super. C'est une faute. Allez, excellent. Tu sais quoi, je m'élance. Première but pour Servette, allez. Bon, qui Par contre, je vais dire.
Bah écoute, je veux dire, les petits cognats, il est en pleine forme. Il a mis deux buts les deux derniers matchs. Bon, oh, attention! Il a essayé de frapper direct. Il a glissé. Tazar qui a essayé de frapper du milieu de terrain directement pour le mettre. Moi, à mon avis, il a glissé. Ouais. Mais apparemment. L'idée était bonne. Ouais, l'idée était bonne, mais à mon avis, qu'est-ce que je voulais dire? Elle est passée loin du but parce qu'elle est fondamentale. Complètement, il était tranquille. Donc Servette de nouveau avec Koné et Kiaï qui sont aux abords des 16 mètres de IB. Ça force Van Balmos à faire monter son bloc et on est vraiment extrêmement compact au milieu du terrain. Van Balmos qui dégage. Montez ! Il dit Van Balmos. Fasnacht qui dévie. Voilà, récupération des sautiers. On doit qu'il joue retrait. On est directement vers Frick. On pourrait se demander qui c'est les premiers du championnat là. Parce que là, très bon début de match de Servette. Connaît la lutte avec Lefort. Ça va être un gros duel. Lefort avec son brushing, il ne voit pas le ballon. Voilà. Ça arrive sur Cespedes. Il faut que tu fasses un pas à gauche. Tu vois la pancarte là? Regarde. En fait, je sais même pas. Là, je les commentaires. Là, elle est bien ou pas? Je vais aller voir un peu les commentaires. Donc, il y a Mathias. Lefort qui est au sol. Salut Mathis, salut Laurent. On a le jeu en pause. Salut à tout le monde qui nous suit. Merci à tous. Le jeu est en pause. Merci à tous pour vos commentaires. Là, on va essayer de vous lire un peu. Et puis, comme on dit, allez Servette. Allez, j'espère qu'on va gagner les 3 points. Qui c'est qui est par terre? C'est Lefort. Ouais. Eh oui, je t'avais dit qu'avec son brushing, il ne voyait pas le ballon. Ouais, mais il a mis l'élastique, je crois, non? Je sais pas si c'est un coup d'élastique. Bon, en tout cas, je crois qu'il a ouais, son élastique là. Voilà, les Servettiens qui sont là dans les duels, ils font mal. Et puis voilà, ça se ressent sur le terrain. Complètement. C'est un excellent début de match de Servette. Un IB qui ne s'est pas du tout montré dangereux. Servette qui a eu un corner déjà. Et on a Lefort qui semble vraiment touché. Pour une fois que les Suisses alémaniques ne nous font pas mal. Et c'est nous. Surtout IB, j'ai envie de te dire. On va pas se plaindre. Donc là, on voit l'échauffement. Il y a le défenseur. Ouais, il y a les deux centraux. Sesiger. Sesiger. Et puis il y a Sorenzel qui sont à l'échauffement. Parce qu'apparemment, il ne se relève pas. Lefort ne se relève pas. Ouais, sa crinière est un peu... Là, il a enlevé l'élastique. Il voit plus devant lui, là. Là, on lui indique le chemin parce qu'il ne voit plus rien. Bon, Lefort qui va, semble-t-il, reprendre sa place. Il n'est pas content. Donc, IB se retrouve avec Lustenberger qui a fait le saut de retrait en défense centrale. En attendant que Lefort reprenne sa place. Et on est côté droit Servettien. Au 30 mètres Servettien. On ressort directement avec... Lustenberger, justement, qui a pris la place de Lefort dans la défense centrale. Lustenberger, on est sur la ligne médiane avec Ebischer. Ebischer qui cherche en profondeur Nsami. Attention, Nsami qui essaie de dévier. On est sur le côté droit Servettien, aux abords des 16 mètres. Nsami qui a toujours le ballon. Nsami qui ressort. Avec Saïd Yanko qui ressort aussi. Et on revient dans le camp d'IB et directement au gardien, Van Balmos. Bien joué de Servette qui s'en est bien sorti. Oui, côté Young Boys, c'est Assiero qui retrouve aujourd'hui sa place de titulaire. Il a été longuement absent par une grosse blessure. Et puis, il a marqué le dernier match contre Neuchâtel. Et puis aujourd'hui, il se retrouve titulaire. Van Balmos qui dégage beaucoup trop long. Ça vient sur Jérémy Frick qui dégage à la main sur Voyot. Voyot qui est sur le côté droit, sautier très haut. Sautier à la ligne médiane. On a Ondua qui est décalé côté droit dans les pieds. Bien joué, le connaît. On est dans le rond central. Cognac qui reçoit la balle. Vamos, Servette. Cognac qui perd malheureusement le ballon. Attention, long ballon sur Nsame. Attention, Nsame qui va être un contre un. Qui remet. Sur et ça encore. Attention, on va se présenter seul. C'est Ngamaleu qui est dans les 16 mètres. Heureusement, Vouillou est bien revenu. Bien joué. Il parvient à se dégager. Bien joué. C'était Cognac qui était là aussi avec lui. C'était Cognac aussi, ouais. Donc, bien joué. Touche pour IB au 20 mètres. Attention à ne pas laisser de l'espace. On est en 1 contre 1 contre ces joueurs-là, ça peut faire mal. Ngamaleu qui est sur le côté gauche avec Lontomba. Le Tomba qui nous fait des Cristiano Ronaldo, là, des petits passements de jambes, mais ça ne sert à rien. Il revient en arrière avec Siro qui change de côté sur Camara. L'effort a complètement basculé. L'effort, il allait au coiffeur et puis ils sont en train d'y passer. Bon, l'effort, un bandage sur la tête. Il donc lui met un bandage jaune aux couleurs de sa chevelure. Et Sautier qui dégage. J'ai envie de dire, il allait au coiffeur pour rien à l'époque. Chez le coiffeur. Ouais, c'est pareil. Ouais, mais concentre-toi, on est à la télé. Si jamais, voilà, vous voyez les si formes. Jamais, je suis pas français, si je fais des fautes de consultation. Je suis pas français, moi je suis suisse. Moi je suis suisse.
Je suis suisse. Je parle pas français. Siro au milieu de terrain, avec le Tomba à gauche. On est sur la ligne médiane. Lustenberger, qui est toujours en défense centrale, qui joue sur Camara. Et oui, parce qu'il est venu prendre la place de l'effort qui est toujours ouais, en dehors. Hein. Ouais. L'effort, j'ai envie de dire, c'est pas très fort. Hein. Ouais, Siro, oh, elle est nulle. Siro à gauche. Avec le Tomba. Gamaleux qui dédouble avec le Tomba. Et ça revient sur Ebischer qui écarte sur Siro. On est toujours côté gauche, côté banc de Ibé. Servetien, pardon. Geiger qui lance. Le Tomba. Attention, le Tomba qui essaie de déborder Sautier. Bien joué Sautier. Ça sort en corner. Corner pour Young Boys. Excellent retour d'Anthony Sautier. Premier corner pour Young Boys. Le fort qui va reprendre sa place gentiment. Voilà. Bon, on voit pas la différence, on dirait même pas qu'il a un bon âge. Ouais, on voit même pas la différence, c'est fou. Voilà, mais il a dû s'ouvrir, hein, certainement. Ouais, c'est fou. Le crâne. Ah ouais, les Servetiens, ils sont durs sur les duels aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Oui. Et oui. Corner côté. Ils sont pas mangés la choublime, là. Oui. Allez, corner pour Ibé. Servette qui est au marquage individuel, ça part. Attention, on ne va pas laisser on l'espace. On dégage, ça sort en corner. Ondua qui met en corner. Ouais, il a voulu dégager, mais c'est parti. Dans le mauvais sens, corner pour Ibé, mais l'autre côté. Donc, Fonbalos qui est dans le rond central. Oui. Et à Ebischer. Pas à l'abri de lui mettre un lob de 150 mètres. Ouais, bah, il n'y a que Sautier qui peut faire ça. Hein. Ouais, Sautier. Sautier, et puis à l'époque, il y avait Vincent Roufly aussi. Ouais, qui en avait mis une à l'époque, effectivement. Corner pour Ibé, ça va partir, attention. Ça bouge beaucoup dans les 16 mètres, c'est parti. Premier poteau. Attention, cafouillage dans les 16 mètres. On dégage. On a dégagé, heureusement. Il dégage. C'est du 1 contre 1 derrière. Mais le Tomba va réussir. Voilà, le Tomba qui est sous pression et qui... Attention, ça joue vite. Ça joue vite. Allez, connais. Allez, vas-y, gardez. Allez. C'est le ballon. Allez, il faut y croire, là. Allez! Connect était au duel, un contre un, c'est dommage, mais il est bien revenu. Aïe, il faut y croire, là! Côté gauche, le Tomba. Moi, à l'époque, j'aurais eu le contre, là. Toi, de toute façon, t'allais dans le mur, mais de temps en temps, là, même toujours, t'avais les contres. Et moi, j'aurais eu le contre, et puis j'aurais retrouvé face à vos Puis tu l'aurais caché en l'écart. Et puis j'aurais fait une petite pichenette, et allez, ciao, on va chercher au fond des filets, c'est réglé. Ballon pour Sautier, qui la met sur Mitcha. Le duo de choc du côté droit Servetien, c'est Lustenberger qui récupère au milieu. Le Tomba côté gauche. Oh, attention, bien joué, le Tomba. Ouais, Vouillot, excellente intervention de Vouillot. Oui, petit. Bien joué, mon petit. Mais oui, c'est et ça, conserve, mon petit. Il conserve, il met le corps. Mais oui. Oh, et attention. Non, attention, ça fait piquer. Et oui. JP qui va se prendre. Attention, qui rentre dans les 16 mètres, attention. Bien joué, Routis. Routis avec son calme légendaire qui écarte sur Sautier. Sautier sur Kiel. Calme légendaire. C'est bon ça ou pas? Ouais, c'est bon. Je t'emballe. Je sais pas combien il t'a payé pour dire ça, mais c'est beau. Ouais, il m'a mis un petit billet. Touche pour Sautier. Sautier qui cherche une solution. Peu de mouvement. Allez, faut bouger. C'est pour Mitcha. Lustenberger qui récupère sur Gamaleux. Gamaleux qui conserve. Gamaleux qui a laissé les 13. Hein. Ouais, on l'avait pas reconnu au début. Gamaleux, bien joué. C'est ça, mon petit. Allez, mon Cognac, à gauche. Il déborde à gauche. Il déborde à gauche. Il va pas rentrer dans les 16 mètres. Mais c'est mort. Allez, Cognac. Aïe. Eh, mais le petit Cognac, il va vite. Cognac en feu sur ce début de match. Cognac. Écoutez le public qui sent bien. Allez, Servette! Bravo! Allez! On est dans le camp de Ibé. C'est pour Mitcha. Mitcha qui est là. Il y a un petit pied levé quand même. Il aurait pu siffler. Un petit pied levé. Le juge de touche aurait pu indiquer. On est toujours sur Sautier. Le petit Cognac, il va vite. Ah oui. Qui conserve, qui remet à Sautier. Il est sur le côté droit. Sautier qui joue en train de Mitcha. Mitcha qui va essayer de centrer. Il remet quand même sur Sautier. Qui remet sur Mitcha. Il me régale. C'est le Brésil. Petit pont. Attention, Mitcha. La technique. Dommage. Lustenberger qui parvient à dégager. Nsame. Faute. Mouille. Super. Faute sur Vouillot. Vouillot qui n'a aucune peur de JP, qui ne le respecte pas. Et c'est comme ça qu'il faut jouer contre JP. Parce que si on le laisse faire, il prend la balle, il va tout voir. Là, à part ça, on aurait dit un gaillard des 30 ans qui avait l'expérience. Il s'est collé à lui. Il a couru à côté. JP, il était obligé de faire faute. Il lui a ragé le maillot presque.
Magnifique intervention du petit. Cespedes qui écarte, magnifique. Oh, magnifique super ballon. Balle sur Mitchell. Oh là 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 là. Oh, il la touche. Ah, le tomba qui la touche. Non, je crois pas. Mitchell a manqué son contrôle, dommage. Oui. Mais c'était un super ballon de la part des Bruins. On est à la hauteur des 16 mètres de IB. Serbet qui, gentiment, se met en place. Ça revient sur le tomba qui va dégager la balle. C'est JP qui, avec sa puissance physique, protège bien le ballon. Bien joué, bien joué. Vouillot qui est au duel, c'est bien. Il ne faut pas le laisser se retourner. Très bien. L'autre en bas toujours, à la touche, sur Sierro qui va basculer le jeu sur le fort. Voilà, on change de côté, on va côté droit, Camara. On est dans les 16 mètres de IB, Camara qui a beaucoup d'espace pour remonter la balle. Oui. Il arrive gentiment à la ligne médiane, il passe la ligne médiane, il n'est pas attaqué toujours, il joue dans les pieds. Ouh, bien joué, bien défendu. De Fasnacht, bien défendu. Et la part de Tassar, t'as vu Tassar, je t'ai dit. Tassar qui se met au niveau défensivement. Eh oui, il fait le boulot pour l'équipe, c'est ça, il se met. Je pense qu'il n'était pas content d'entendre qu'il était latéral gauche. Non, certainement mais, pas. Mais il mouille les maillots pour l'équipe, donc c'est super bien. Routis qui dévisse un petit peu ça, son dégagement, c'est touche pour IB à la ligne médiane. C'est notre ami Janko, hein. Ouais. Oui, Janko qui joue à droite. Il cherche une solution et revient en arrière sur Camara. Camara. Camara, l'effort. L'effort qui a tout l'espace pour s'avancer jusqu'à la ligne médiane. Il joue directement sur une Gamaleu, attention, qui dévie sur Jean-Pierre. C'est mal joué d'IB. Ouais, bien joué. Récupérer la balle. Cogna, faut pas la perdre, attention. Bien joué sur Frick. Non, je pense que Cogna, c'est l'homme en fort des Servette. Cogna, il est... Enfin, très très bon début de match. Hein. Toi, par sa vivacité, il pose des problèmes à IB. Camara qui gagne son duel. Ça revient sur Routis qui met super là. Sur Champions League. Sur Kay. On est toujours au milieu. Ouais, ça se bat beaucoup. Hein. C'est un match d'hommes. C'est un match, d'homme, hein. C'est un match extrêmement physique. Hein. On dirait qu'il vient de faire une passe tibia péroné. Ouais. C'était pas très académique. Très académique. Ça a donné un duel qui a débouché sur une faute. On est dans les pieds de Fon Balmos qui écarte sur le fort. Salut Granit, Zieux. Zieux, président. Allez, c'est Camara qui écarte côté droit sur Janko. Janko qui joue au milieu avec Ebischer. Ebischer, Fon Balmos. IB qui a de la peine à trouver de la verticalité hein, dans son jeu, qui n'a pas vraiment de solution mais devant. Mais Servette est très bien en place. Il laisse peu d'espace. Et puis, ils sont agressifs dans les duels. Et puis, avec les ballons, ils font des choses intéressantes. Sautier sur la remise en jeu. On est à la ligne médiane. Sautier qui cherche une solution. Peu de mouvement. Hein. Servetien. Mitcha qui essaie de jouer sur Kone. Kone qui a parvient à récupérer la balle. Boris essaye d'écarter sur Mitcha. C'est intercepté. Mais qu'est-ce qu'on avait parié l'hors-jeu ? Il n'y a pas eu d'hors-jeu. Il n'y a pas eu d'hors-jeu, je crois. Non, il n'y a pas eu. Attention, Gamaleu qui a beaucoup d'espace. On est aux 30 mètres de Servette. Ouh, attention. Attention, le tag d'Andoua. Il a laissé l'avantage. Très, très sévère. Carton jaune pour Andoua, ouais. Carton jaune. Ah, c'était retard, quand même, hein, oui, mais c'était quand même attaque par derrière, Tib. Je sais pas ce que t'en penses. Il était en retard. Les cartons est juste, à mon avis. Le carton est tout à fait justifié. Et c'est Gamaleu, hein, c'est sur Gamaleu qui sort de douleur là par terre. On va faire certainement rentrer les soigneurs. On doit qu'ils s'excusent. IB qui va probablement jouer. Ils ont des bons tireurs de coup franc, mais Souleymani n'est pas titulaire. Donc Souleymani, on sait le danger qu'il peut apporter sur les ballons arrêtés. C'est sûr que Souleymani, sur les coups de pied arrêtés. T'avais joué avec lui ? Il a des postes où il veut. Non, j'ai pas joué avec lui en fait quand je suis parti. Parle-nous un petit peu d'IB. Qu'est-ce que tu as remarqué ? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce club ? Comment ils sont arrivés finalement à être double champion de Suisse alors qu'ils n'arrivaient pas, ils avaient toujours cette longueur de retard sur balle. Je pense que déjà que Christophe Espicher, il a fait un super boulot, il a fait du super recrutement. Et puis aussi, il y a Ball qui a changé un peu sa philosophie avec les changements des précédents et tout ça, qui ont commencé à faire jouer des jeunes. Ils sont perdus tous les joueurs cadres comme Streller, Frey. Chaka, Shakiri, ils sont tous partis. Donc après, c'était difficile pour eux de faire une équipe. Et puis Young Boys, justement, ils sont allés chercher Nzame. Il y avait Waro, il y avait Wolfie au but. Ils sont allés chercher... Wolfie qui, on se rappelle, lors du premier titre, hein, a fait le match de sa vie pour le match décisif. Wolfie, il devait gagner le match contre Lucerne. Wolfie, il n'avait pas joué de la saison. C'était Fon Balmos. Ça va être un coup franc
On revient au direct, aux 40 mètres qui vont jouer direct. Ah, Ibisha qui tire. Ibisha, attention, oh, ça passe devant tout le monde. C'est on a eu chaud quand même. Hein. Ouais, on a eu chaud. C'était assez bien tiré. Donc, oui, ces matchs-là, ces fameux matchs où Young Boys sont champions, et en fait, il y a 1-0 pour Lucerne, penalty pour Lucerne, Wolfi qui la sort, ça tape la barre, et puis ensuite, on connaît la suite. On connaît la suite, et Young Boys, ils ont gagné le match 2-1 à la dernière minute par Nzame qui marque. Et puis voilà. Et là, ça fait 2 ans de suite qu'ils sont champions. Ah, il y a vraiment une vraie continuité hein, avec Gerardo Seoane. Ils ont changé de coach hein, après le premier coach, titre. Exactement. Et Gerardo Seoane qui a réussi à maintenir cette fantastique dynamique. Hein. Exactement. Et puis voilà, maintenant, ils sont encore en course pour le titre avec Saint-Gall. Saint-Gall, qui, je suis impressionné par cette jeune équipe de Saint-Gall qui a énormément de qualité. Et puis, ils ont une moyenne d'âge de 21 ans. Exactement. 21 ans de moyenne d'âge. C'est la bonne surprise de ce championnat. Ça fait plaisir de voir ça. Ils sont peur des personnes. Allez, on revient dire. Cognac qui est en feu, il passe à la ligne médiane. Il s'avance. Au 30 mètres, dommage. La récupération le fort. Mais Cognac qui est toujours là et qui récupère. Mais il est vraiment en forme. Sur Sautier, en Doua. Et ça joue tiki-taka côté Servette. On est dans le camp de IB. On est sur le côté gauche avec Ondoua qui fait un appel. Ondoua qui essaie de conserver au milieu de défenseur d'IB. Il s'en sort bien, il ressort. Routis. Il y a le public qui lève la voix un peu pour. Cespedes sur Routis. Pour emporter ce match. Routis qui ressort avec les gars. Nzame qui va presser, Frick qui dégage. Camara qui récupère au milieu. Il essaye de dégager la balle, mais ça lui fait un contrôle involontaire. Incroyable. Contrôle Tibia Perone. Voilà. Les spéciales. Attention, côté droit pour IB, c'est ça. Attention. On a eu chaud. Corner pour une balle. Sur ce centre de IB, corner pour IB. Heureusement qu'elle était à 10 cm de la tête de Nzame, parce que sinon, c'est compliqué. Ouais. Et c'est Gamaleu qui est arrivé en deuxième rideau. Hein. Et il a failli. Réussir à glisser ce ballon au fond des filets, c'est corner. C'était chaud pour nous. Mais on peut pas dire non plus. Mais d'ailleurs, on a chaud dans tous les sens du terme. Ouais. Je sais pas toi, mais. Mais on peut pas dire non plus que c'était une occasion nette des buts, mais c'était chaud, c'était bien joué de la part du Young Boys. Corner pour IB. Oui, donc là, on a un corner, on est en marquage individuel. C'est parti. Premier poteau, attention. Ça passe une nouvelle fois devant tout le monde. Lustenberger qui dévie la balle et puis heureusement qu'il n'y avait personne au deuxième poteau, Tib. Lustenberger qui est parvenu à juste effleurer la balle et le ballon est passé devant tout le monde au deuxième poteau. Il a coupé au premier poteau et personne qui le suivait et puis il a dévié la balle au deuxième poteau. Ouais. Heureusement qu'il n'y avait personne. C'était chaud. Sinon, c'était 1-0 pour Young Boys et c'était complètement pas mérité. Absolument. Ça met pas Frick qui dégage sur Koné. Koné à la lutte avec Lustenberger. Lustenberger qui permet de gagner le duel. Siro qui perd la balle. Cognac. Mais Cognac, il est en pleine forme. Cognac qui fait un super début de match. Sur Mitchien, en première intention sur Cognac. Bien joué. Magnifique. Magnifique. Ballon pour Servette. Le public qui donne de la voix. Allez, joue vite, Boris qui fait la touche sur Cognac. Cognac, toujours Cognac. Ah, Cognac qui était pris en sandwich hein, par deux Bernois. Nsamé. Bien joué, mon petit Bouillon. Qui se pose pas de questions et qui envoie la balle en tribune. Mais c'est juste, il prend pas de risque. Comme au rugby, tu mets la balle loin, exactement. On touche et puis tu fais monter le bloc. Super petit. On est aux 30 mètres de IB avec Yanko qui cherche une solution. Yanko qui joue sur Siro au milieu du terrain. Siro qui lui remet. Yanko qui dégage sur Gamaleu à la lutte avec Sautier. Gamaleu qui gagne le duel. Ça se bat au milieu et Bichard qui parvient à écarter sur Gamaleu. Attention, allez Soch, il faut gagner ce duel. Bien joué, excellent Sautier. Super. Sur Ondoua qui remet sur Vouillot. Vouillot qui écarte sur Sautier. On est toujours aux 30 mètres Servette. Sautier qui joue long sur Koné. Sur Koné. Au duel avec Lefort. Lefort qui fait parler son expérience. Ouais. Il met le corps en opposition, il se laisse tomber. C'est bien joué. Si jamais vous qui êtes devant la télé, on joue la 29e minute, 35 secondes. Comme ça, si jamais vous voulez vous adapter un peu sur Téléclub. Alors effectivement, sur toutes les télés, maintenant, on peut remettre un petit peu en arrière. Exactement. Si vous voulez avoir les meilleurs commentaires du monde, remettez un petit peu en arrière et vous nous écoutez. Enfin, je pense qu'on peut dire au-dessus du lot. Moi, je pense que c'est intéressant pour vous, si vous voulez avoir des vrais pros qui connaissent les foot. Et vous mettez à la même hauteur que nous et vous allez vous régaler. Voilà, on est là pour vous. Et on est là pour vous. IB au rond central. Alors quand je joue la 30e minute, moi j'ai pas vu le temps passer. Non, c'est vrai, absolument. C'est un bon match. Hein. Il y a du rythme malgré la chaleur. Il doit faire très chaud hein, là sur le terrain.
Bon, pas autant que dans notre box. Ici c'est le sauna, mais peut-être que là, dehors, il fait un peu plus frais qu'ici quand même. Parce que là il n'y a plus de soleil. Je pense. Lustenberg, Arkekart sur... Ebischer. C'est Ebischer. C'est Ebischer, oui. Je connais comment il court. Ah ouais, juste. Tu sais, il court un peu comme un canard, tu sais, comme ça. Ouais. Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il est technique et qu'est-ce qu'il a une bonne frappe. Bah, Ebischer, justement, c'est un joueur formé au club. Je me rappelle quand j'étais à Young Boys, il était avec la 12e équipe, il montait de temps en temps s'entraîner avec nous. Et puis. Tu voyais déjà qu'il avait quelque chose ou pas? Non, il avait de la peine. Tu voyais pas, il a énormément progressé, ce petit. Comme quoi, hein, des fois, il faut plus de temps à certains qu'à d'autres, mais il faut jamais lâcher. Dégage-moi pour fric. Surconnu, au duel avec le fort. Oui, belle déversion. Dommage. Qui est parvenu à prolonger, mais qui n'a pas réussi à s'emparer du ballon. On écarte sur Yanko. On entend les publics là chanter, là, ça fait plaisir. Il y a un Auxerre qui est parti, là. Dans la tribune principale, c'est beau, ça fait plaisir. Tribune principale et en face qui et suit. Et en face aussi, exactement, ils se renvoient le chant. Est-ce qu'on entend ou pas? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez les chants? Vous entendez les chants à la maison? Attention, Poteau, très très dangereux. Poteau, pied gauche. Oh, heureusement pour nous, parce qu'en plus, elle tape les poteaux, elle passe sur la ligne. Elle longe la ligne et elle sort en touche pour Servette. C'était très grosse occasion. Pourtant, ça part d'une super récupération en tac des sautiers qui ensuite, il perd la balle et puis... Le Tomba qui a réussi à récupérer, qui centre en retrait, Nzame qui reprend en première intention, pied gauche. Et qu'il la met sur le poteau. Oh là là, on a eu chaud. Frick, il a rien vu. C'était vraiment une très grosse occasion. Oh oui, Cognac, allez, qui va sortir, Fais-moi rêver. Oh là là, c'était difficile. Il s'est fait peur. C'était difficile. C'était vraiment. Apparemment, il est tout chaleur chez lui. Moi, je pense pas. Non. Mais c'est comme ça quand tu perds de la balle, des fois tu restes par terre. Des fois, il faut ajouter un peu une petite simulation, tu sais. Eh oui. Ibé, côté droit avec Yonko. Mais c'est intéressant quand même, mais c'est vrai qu'on est... Attention. Et Michel, côté droit, qui va centrer. Très bon retour de Ndoua. Bien joué ça. Bobo, perd pas Maurice la balle. Pas là. C'est une frappe, et je pense qu'on peut mettre Abelie Wackenfly, parce que là, c'était une frappe qui a tué un pigeon. Si jamais la section Grenaille, si jamais ils sont derrière le stade, peut-être qu'ils vont récupérer la balle, et puis la relancer au stade. On cherche un ballon, si jamais... Un ballon qui est parti derrière la tribune noire. Et la chaussure, elle est partie avec ou pas? Je sais pas. Je pense pas qu'ils s'entendent des chansons. Frick qui dégage sur Mitcha. Voyage. Alors Kay qui a fait partie. Kay au duel. Oui, bien joué. Allez Mitcha, centré. Il centre. Et c'est le premier bateau. Magnifique action, chant des Mitcha comme d'hab. Ouais, Mitcha qui met un caviar, le Beckham Servette. Cognac qui coupe au premier poteau, qui fait une tête, et formellement, s'il arrête un ballon. Ouais, bon, il lui vient dessus, même moi je l'aurais arrêté. Il a fait un arrêt des handball. De garde de handball. Arrêt de handball. Comme ça, et puis là, allez Mitcha. Attention, Mitcha au corner. Allez Mitcha, délivre un bon centre, excellent. Magnifique. Deuxième poteau, et Servette. Servette. Oh, attention, Nzame qui part en contre. C'est le numéro 8, qui a la ligne média. Attention, c'est du 3-3. C'est du 3-3. Nzame qui fait un attaque sur la gauche. Sur le côté gauche. Attention, Sierro s'en met les pinceaux. Super récupération, c'est pour Mitcha. Le petit jeune Bouillos. Et le public. Et les matchs qui sont bonnes. Bravo, Chanoël. Les matchs qui sont bonnes. Eh, mais c'était une action de moins. Deux occasions, coup sur coup. Lâchez chaud. Là, je suis à deux doigts d'enlever mon maillot. Tu te rends compte, Tim? Immense occasion. Ah, c'est dommage. Je pense qu'on peut dire qu'on est à égalité au niveau des occasions. Servette fait un gros match. Attention, grosse situation pour Ibé. Attention, c'est centre en retrait. Frick qui se bat. Attention, Sierro qui tire au-dessus. Non, elle a dévié, corner. Bien joué. Maurice Espérez qui contre la balle et puis qui part en corner. Bon, il y a pas mal de corners quand même aussi. Il y a beaucoup de corners. Non, c'est un match là qui s'est équilibré. Qui hein, ça mais va un petit Servette, peu ils sont en train de faire un grand match contre Young Boys. Absolument, on le rappelle. Servette qui a plusieurs joueurs importants derrière qui sont absents, mais la défense qui fait un super match. Super match. Et surtout, moi, je suis surpris en bien par le petit Vouillos. Qui fait un énorme match. Hein. Aucun complexe. Un énorme match. C'est très positif. Je suis très content pour lui. Il est en train de prouver. Corner pour Ibé. C'est parti. Premier poteau, attention. L'effort.
Non. Balle au 5 mètres. 5 mètres. Je t'ai dit, bon, on avait dit quoi pour les paris? On avait dit premier carton jaune, mais hors jeu. Bah, premier hors jeu. Carton jaune, il y a eu, c'était en doigt. Ouais, on n'a pas parié. Premier corner, on n'a pas parié non plus. Mais les premiers hors jeu, on n'a pas fait non plus. Ah, vous avez entendu les chansons avec alors qu'on revoit, Mathilde, le but de Cespedes contre Lucerne. Et qu'on va certainement revoir aussi le deuxième but, c'est Timo Pétonia, au deuxième poteau, très bien servi par Thierry. Qui est en grande forme, hein. Le petit Pétonia qui est en grande forme. Là, ces matchs-là, il a fait une passe de but sur Cespedes. Et puis qui marque encore, il a absolument marqué contre Sion aussi. C'était son premier but d'ailleurs en première ligue. Promotion, ouais. C'était son premier but en Super League. Et puis là, bah, j'espère qu'il va encore marquer ce soir et qu'il ne s'arrête pas, ce petit. En tout cas, il fait une bonne entame des matchs. Il est partout. C'est clair. Et puis il fait les bons choix. Touche pour Servette au 30 mètres, on est dans le camp servettien. C'est Hazard qui se charge de la remise en jeu. Et ils cherchent une solution, les joueurs qui, après ce gros rush, hein, sentent qu'ils ont un petit peu besoin de récupérer. Non, mais c'est surtout aussi l'enchaînement des matchs. Bien sûr, tous les trois jours, c'est pas évident. Nous, on a connu ça, Tib. C'est clair. On est bien placé pour savoir que jouer tous les trois jours, c'est pas évident. Ouais, puis en même temps, on aime bien parce qu'on fait pas trop à l'entraînement, on fait que de la récupération et on a que de la compétition. C'est on a, sûr. On a c'est que sûr. Des matchs en jeu et ça, c'est hors super. Hors jeu pour Servette. J'avais dit hors jeu pour Servette, j'ai gagné. Eh oui. Je dois faire quoi? Bon, écoute. Allez, tu mettras un truc sur la tête que j'ai amené là. Tu mettrais quoi sur la tête? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ça va, je suis gentil. Attention, action sur pour Ibé, côté droit. Crochet de Yonko qui revient sur Ebichère. Ebichère qui frappe et c'est dans le petit filet de Petit filet d'or, petit filet d'or. Attention à Ebichère. Lui, Ebichère, il joue 6, il joue 8, mais il est très souvent décalé sur le côté droit. Il est toujours à la sortie de la surface pour frapper comme ça. Et il a une super frappe. Alors là, on voit une grosse les action. Les poteaux, les armées, pied gauche. JP qui a voilà, je l'ai eu au téléphone avant le match. Mais là sur le poteau. Je lui ai dit, c'est bon, t'es à 23 buts voilà. En 22 matchs. Si voilà. Tu marques pas un match, c'est pas grave. Il m'a dit, non, Mati, tu sais que moi j'ai vu pour le but. J'ai fait, écoute, bah, je te souhaite les meilleurs, mais j'espère que tu vas pas marquer quand même contre Servette, quoi. Faute pour Servette, alors et durant central. Bien joué, mais tiens, qui joue sur Sautier. Sautier qui va certainement sauter. Non, dommage. Une touche. Il oui, essaye oui, mais bien oui. Jouer. Ah, dommage. C'était bien joué, Sautier qui fait le 1, Boris le 2, un petit peu trop long, c'est sorti. Mais on a essayé de surprendre la défense des Young Boys qui n'était pas en place. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais c'était pas mal. Le Tomba qui parvient à dégager sur Fasnacht. Ebichère, pardon, ouais, il a un peu plus devant, regarde. Ouais. Non, Fasnacht est un peu plus devant, voilà. Fasnacht ouais, voilà, sur la balle. Fasnacht. Bien joué, jeune Routy. Excellente anticipation. Il est intéressant, ce petit jeune. Il est intéressant, ce petit jeune. Tu le connais? Il a quel âge, le petit jeune? Yanko, à la touche, sur la ligne médiane. Sur Ebichère. Ebichère qui revient sur Lefort. Lefort va écarter côté gauche sur le Tomba. Le Tomba, à la ligne médiane. Un petit dot à la gauche. J'ai un chat dans la gorge, là. Gamaleux qui est sous pression par Sautier. Sautier qui lâche pas l'affaire hein, sur Gamaleux, c'est très très bien, il le laisse pas se retourner. Alors attention, attention, Sierro aux abords de la surface. Sierro qui parvient à écarter sur... Sierro, il faut pas lui laisser de la place. Gamaleux qui cherche... Non, ballon récupéré, 5 mètres. Super. Et Bouillon, c'est encore le petit jeune Bouillon. Très bonne anticipation de Bouillon. Alors qu'on va revoir une action... Ouais, c'est la tête déconnée. C'est la tête déconnée avec les centres de Micha parfaitement décalé par Kay. Koné qui passe devant le défenseur. C'est très très bien joué. C'était super bien joué. C'était une bonne action servette. C'était vraiment une action de nos cases début. Dégagement pour Frick. Sur Kay. Kay à la lutte avec Camara. Camara, c'est un sacré gabarit. Hein. Oui. Ouf. Il doit faire 1m95. Ah ouais, il est grand. Hein. Le fort. On est dans le camp d'IB au 30 mètres. Mustenberger qui demande la balle dans les pieds, mais ça revient sur le gardien. Camara avec Ebichère qui revient sur Mustenberger. Mustenberger écarte sur Lefort. Lefort qui a un petit peu d'espace, on est à la ligne médiane.
Gamalo qui parvient à conserver, Leto Servetien se resserre, Yumbos. Qui parvient à conserver, Yumbos très tonique. Hein. Yumbos qui arrive à enchaîner quelques passes là, attention. Gamalo côté gauche, Gamalo qui est face à deux Servetien, il ressort. Non, il ressort. Ouais. Gamalo qui lui manque complètement sa langue, mais ça revient sur Siero. Ibe qui met son jeu de possession en place, super ballon. Ballon pour Frick. Allez, il reste 5 minutes. Mais cette passe, cette longue passe là, il faut aller l'autoroute là pour la rattraper. Ouais, là, il aurait fallu. Je pense que Usain Bolt, il l'avait pas, c'est là, ouais, je pense. Ouais. Frick qui va dégager. Les deux équipes sont extrêmement compactes au milieu du terrain. Je pense que Frick va mettre long ballon sur Micha. On connaît ça. Voilà, Micha qui prend de l'élan pour arriver lancé. Ouais, c'était pas facile. Ils étaient deux sur lui. Ondua qui dégage sur Kay, c'est Lefort qui gagne la balle. Le Tomba. Ondua. Grosse bagarre au milieu de terrain. Ouais, il y a eu un coup là, mais ça joue de l'autre côté. Avec Yanko. Yanko qui a de l'espace. Yanko qui s'avance. On est aux 30 mètres Servette. Attention, Yanko qui centre. Ça revient sur. Non, ouf. Bien joué Sautier qui a bien anticipé, qui parvient à dégager. Cogna qui saute. Cogna à la lutte avec Lustenberger. C'est Lustenberger qui récupère. Attention, lui, Yanko qui centre. Il a une galette. Hein. Au deuxième poteau sur Gamalo. Oh, Gamalo qui gagne son duel. Non. Il y a faute, arbitre. Il y a faute sur Sautier. Ouais, là, il peut siffler, mais il laisse jouer. C'est Micha qui récupère la balle. Long ballon sur Kone. Sur Kone qui garde, qui dévie sur Kay. Dommage. Ibe qui récupère. Ou le Tomba qui fait un très bon geste technique en laissant passer la. Micha qui lâche rien. Attention, le Tomba qui centre. Attention, bien joué, Frick. Bien joué. Je pense qu'il va calmer Frick. Voilà, tranquillement sur le côté gauche avec Tazar. Tazar qui cherche une solution, il n'en a pas trop. Oui, les gars, il faut essayer de calmer le jeu un peu là. Oh, c'est super bien, les gars. Allez, Tazar, fais-nous parler de Tadi Tazar. Allez, il s'avance, le 30 mètres. Et c'est faute, là, il continue. Donne-la, oui. Reviens à la faute, et carton jaune. Eh oui, sur Siero, carton jaune sur Siero. On avait dit quoi sur les cartons jaunes? Je t'avais dit, hein. On avait dit quoi sur les cartons jaunes? Non, on n'avait pas dit. Mais je t'avais dit que Tazar, il pourrait amener. Tazar qui fait. Avec sa vitesse offensivement. Exactement. Et puis défensivement, il fait le boulot. Non, il a vu juste. Alain Geiger, il a eu juste. En replaçant Tazar sur le côté latéral gauche là-bas, c'était pas mal. Il y a un coup intéressant quand même pour Servette, là. On a des grands gabarits quand même aussi avec Kay. Exactement. Ondua. Est-ce que Mitchell va tirer ou va... Non, il va centrer. Il est quand même loin. Là, je pense qu'il est quand même à 35 mètres quand même des buts. Je suis pas à l'abri de parier qui nous mette un petit missile. Alors, moi, je te dis qu'il va centrer. Connaissant Micha, moi, je pense pas qu'il va frapper depuis là. Mais on sait jamais. Hein. On sait jamais. Voilà, il a centré pour personne. Bah, il aurait mieux fait tirer. Parce que bon... Hein ouais, vu ce que je viens de voir. Donc malheureusement, Micha qui met une balle coupée, hein, mais vraiment directement. Mais elle était un peu trop longue, Fond de Balmos. Il fait quoi, l'effort? Bah, l'effort, on ne sait pas si le ballon est en jeu ou pas. Voilà, ça revient sur Fond de Balmos qui la prend dans les mains et qui va dégager. Ouais, Ibe qui veut pas jouer à la baba. Mais l'effort, je pense qu'il n'avait pas entendu que la balle était sortie. Ouais, peut-être pas. Parce que c'est pas facile avec son bon dos. Je pense qu'il entend. Il entend rien, je pense. Hein. Il n'entend plus rien. Dégagement de Fond de Balmos. Ondua qui récupère. On est dans le rang central, mais Lustenberger pose le pied sur le ballon et écarte. C'est bien joué sur Yanko. Yanko qui est au 20 mètres. Servetien, il revient de nouveau sur Lustenberger. Lustenberger dans les pieds de Fasnacht. De nouveau, Yanko. On est toujours sur le côté droit de la défense. Attention. Ouais, sur le côté droit. Siero, il ne faut pas le laisser frapper. Siero qui a une excellente frappe. Attention Fasnacht qui se retourne. Crochet. Siero qui fait bloc. Attention, c'est très chaud. On est maintenant sur le côté gauche. Avec Gamalo qui provoque Sautier. Bien joué Sautier. Joué contre un qui parvient à la dérive. Il revient. Il lâche rien. L'oiseau, il lâche rien. Mais tous pour Ibe au poteau de corner. Donne-lui du pain. Le Tomba qui joue sur. Attention, Jean-Pierre Kay. Attention, il est dans les 16 mètres. Il joue très bien. Bien joué, Boris. Et l'arbitre qui aurait pu siffler une poussette dans le dos de Kay. Hein. Ça revient sur Fond Balmos, on va dire le Candibé. Avec Lefort, les deux équipes. Le public qui s'est plaint qu'il n'ait pas sifflé cette faute. Voilà, on a fini le temps réglementaire. Gamaleux, mais c'est passé vite, c'est déjà les 45e. Oh là là, 2 minutes de prolongation. 2 minutes. Arbitre et joueur, il reste 2 minutes. Sautier à la remise en jeu. Côté droit, on est aux 16 mètres Servetien, attention.
Micha, Micha qui dévide la tête pour Kay, qui arrive à Kone. Ouais, ça revient. Tassar qui remet sur Micha. Je pense qu'il est hors jeu, Micha. Ouais. Je pense qu'il est hors jeu. Elle est longue, dommage. Fin de Balmos qui parvient à s'interposer de la tête parce qu'il était en dehors de ses 16 mètres. Oui. Kay qui veut mettre du rythme, mais. Voilà. Kay, laisse la balle, va au centre. Voilà. Va au centre, laisse la balle. Voilà. Sautier qui joue sur Micha qui lui remet. Voilà, sur Ondua, perd pas la balle là, qui l'ont. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, il a essayé de changer de jeu, mais malheureusement c'est trop long. Yanko qui jure sur Fond Balmos et Fond Balmos dégage. Et attention, laisse la part et Ondua, laisse pas rebondir cette balle. Qui est au duel, attention, attention. Il va y avoir un duel. Bien joué, Frick. Excellent, Jérôme. C'est ça, Jérôme, super. Excellent, Jérôme. Jérôme qui s'embrouille un peu. Jérôme qui s'embrouille avec Jean-Pierre. Jérôme, c'est juste ce qu'il a fait, excuse-moi, mais il a tout ramassé. Il va au duel normal. Voilà. Quoi. Je sais et pas là, il s'embrouille. Et sa mère qui doit être pas être très content du match et de comment ça se passe la première mi-temps. Et il y a aussi certainement un petit peu d'intox parce que Jean-Pierre n'a jamais marqué contre Frick. Et donc, Jean-Pierre, je pense qu'il essaye un petit peu de déstabiliser là parce que. Il faut pas dire des choses comme ça, Tim. Non, mais parce que Jérémy, il a joué le ballon là. Il n'y a aucune raison d'aller l'embrouiller. Bien sûr. Donc, bon. Et puis, il a été gentil encore parce qu'on connaît des gardiens des buts qui auraient mis les pieds à la carotide. Duel avec Kay. Oh oui, Micha. Le fort qui parle. Le fort, attends, tu arrives à la choper la balle presque. Le Tomba qui a fait un contrôle américain, mais ça va, il s'en sort bien. Et Jean-Pierre à la lutte avec Vouillot. Et il est vraiment. Voilà, jeune routiste qui envoie au tribune. C'est la pause. C'est l'heure du thé. On boit un petit thé. Allez, santé. Allez, 0-0 à la pause. Bon. Un très bon match de Servette hein, qui n'a aucun complexe face à IB. On peut dire que Servette a eu autant de chance que IB et ça aurait pu tourner dans un sens comme l'autre. C'est sûr. Manuel Plouhur, ça va garder cette intensité. Parce que je pense que les joueurs, ils ont fait énormément d'efforts physiques. Mais voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, si on arrive à marquer le premier but, ça serait pas mal. Ça va être dur pour Young Boys de venir chercher quelque chose ici à l'après. Alors, on va essayer d'avoir un invité hein, à la mi-temps. Je ne sais pas si on peut. On revoit des gens qui sont rentrés sur le terrain avec des pics pour remettre les petites montes en place. Donc ils remettent les petites montes en place et on voit le petit jeune Vouillot qui est à l'interview, je ne sais pas si c'est avec Téléclub ou la RTS. On voit aussi les préparateurs physiques de Young Boys qui a sorti les ballons. Et puis voilà, on va parler un petit peu de cette première mi-temps. Moi je suis très content de l'image que j'ai vue de Servette. J'avais un peu peur notamment par rapport aux blessés qui comme Sasso, Rouillet, il y a Pacino ou Al Pacino. Donc je suis très content pour le petit jeune Vouillot qui montre qu'il est là, qu'on peut faire appel à lui à tout moment. Et puis voilà, c'est une belle image que Servette montre contre une des premières équipes du championnat. Et puis voilà, c'est Young Boys qui ont la pression, qui doivent venir chercher quelque chose ici. Et puis voilà, pour le moment Servette est en train de faire un bon point, si tu veux, contre le tenant en titre. Mais j'espère qu'ils vont quand même réussir à obtenir cette première victoire depuis le coronavirus. Mmh. Parce que là, ça fait trois matchs nuls. Donc ça serait le bon moment pour commencer à gagner des matchs. Complètement. Non, on était tous un petit peu dans l'expectative de ce que ça allait donner. Hein, parce que c'est vrai qu'avoir une défense décimée contre le champion... On est toujours un petit peu dans le doute. Mais ouais, c'est vrai qu'on a des très bonnes surprises aujourd'hui. Tazar sur la gauche qui fait un excellent match. Le petit Vouillot qui répond présent. Routis aussi, parce que Routis il a joué il y a 4 jours, mais il était aussi un petit peu en manque de compétition. Exactement. Hein, pas forcément, très souvent. Et puis Sautier égal à lui-même, excellent comme d'habitude. Un match, une première mi-temps vraiment, vraiment pleine de Servette, malgré qu'effectivement, IB a eu deux grosses, grosses occasions. Mais voilà, Servette qui aurait aussi pu mener au score. Un match équilibré, finalement. Et on se réjouit de voir ce que ça va donner en deuxième mi-temps. Oui, surtout que voilà, qu'on sait que Young Boys, il venait de mettre 6 à Neuchâtel absolument, quand même. Hein. Absolument. Donc, c'est pas rien. Et après, on voit les absences qu'il y a chez nous. Et puis on tient la baraque et puis on n'est pas ridicule du tout, on arrive à,
On a non, parce que ce qui fait plaisir, c'est qu'on n'a pas de complexe. Contribuer. On aurait pu croire que ouais, on les respecte un petit peu, c'est tu sûr, sais, où tu vas sûr. À moitié au duel. Ou... Mais là, non, on leur fait mal, il y a un mec avec un bandage, enfin ouais, voilà, on n'a pas peur. Quoi. Et ça, c'est hyper positif, surtout à la maison, à la praille. Si tu ne te fais pas respecter chez toi à la praille, c'est impossible. Donc Servette, voilà, Servette est, je trouve, est dans une très bonne dynamique, malgré qu'il n'ait toujours pas gagné. On aurait pourrait y avoir un petit doute quand même dans la tête, oui. Mais non, non. Donc si, ça, tu veux, c'est si, tu veux, si tu veux, ils sont passés un peu à travers les matchs à Sion. Ils sont passés à travers les matchs. Mais voilà, grâce à un énorme fric, on arrive à emporter un point. Et puis ensuite à Lucerne, franchement, ils ont fait une première mi-temps mais magnifique. Après la deuxième mi-temps, voilà, ils... Ouais, le début de deuxième mi-temps n'était pas forcément mauvais, hein, mais c'est deux buts coup sur coup. Et de, puis les, la blessure de Iapakino aussi qui nous a pas aidé. voilà, et puis aujourd'hui, je me régale, il me régale, franchement il me régale. On voit Konya quand même qui est dans tous les coups, il est partout et il fait tout juste. Et on voit qu'il a pris, il a énormément confiance. Ouais, Cognac qui amène sa vivacité, qui amène son punch, surtout vers l'avant. C'est super positif. Quand on a des situations de contre-attaque, quand on a des situations où il y a un petit peu d'espace, c'est un joueur qui peut aller provoquer, c'est un joueur qui peut faire la différence. Et ça, dans l'équipe de Servette, ils ne sont pas non plus 10 à pouvoir faire ça. Donc Cognac, effectivement, dans ce rôle-là, est super important. Et il le fait bien aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas encore débouché sur un but, mais on a bon espoir. Ouais. Pour la suite. Donc là, on voit l'échauffement, il y a Castri, il y a Martial, il y a Alves, il s'appelle le petit Alves. Alves. Mm-hmm. Et puis, comment il s'appelle le petit il y a, okay. Il y a encore... Ancho, non, Ancho, ouais. Non Ancho. Je ne connais pas du tout ce petit jeune, ouais. Tu le connais, toi? Non, pas tellement de. On l'a jamais d'informations, vu. Ouais. C'est des, semble-t-il, des produits du club, hein, vraiment. Donc, c'est bien, c'est bien. Ça fait vraiment plaisir. Donc, bah, écoute, j'espère qu'on pourra aller voir. Sûrement aujourd'hui, on pourra aller voir. On espère. Jouer espère un petit je me rappelle du petit Alves, il avait fait son premier match en Super League contre Young Boys. Ouais, il a fait sa première entrée. Et puis d'ailleurs, Servette, ils avaient gagné ce match. Et il avait fait une super entrée où il avait mis, je crois, un petit point à Fasnacht et il avait peur des personnes. Ouais. Je me rappelle. Et une roulette aussi sur Nzame. Oui, il avait mis le feu un peu. Donc voilà, on attendait voir ça. Tu te rappelles à l'époque Ludovic Parat qui était rentré contre Young Boys et il avait mis le feu. Mais on avait joué les deux, non? Oui, mais moi j'étais. Ouais, toi, t'étais dans le mauvais camp. J'étais à Young Boys ce match-là, mais je me rappelle Ludo et ouais, trompé. Je me rappelle, ouais, je me rappelle. Il très a mis le feu. Bah, tu sais quoi, il me fait penser un peu à ça, le petit Alves, ouais, là-bas. Ouais, physiquement ouais. Et tout, il se ressemble un peu. S'il peut faire la même rentrée que Ludo à l'époque, ouais. On est preneur. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, les joueurs d'IB également, l'échauffement. J'ai pas l'impression qu'il y aura un changement. Hein. À la mi-temps. Écoute, je sais pas, là, en bah, tout vu cas, le rythme qu'ils mettent à l'échauffement... Il y a Genevois Ulysses Garcia, là, qui s'échauffe avec les préparateurs physiques. Oui. Donc, peut-être qu'il y a moyen qu'il rentre. Hein, parce que... J'ai pas l'impression qu'il fasse un échauffement d'avant-match, quoi. Enfin, j'ai pas d'avant rentré, quoi. J'ai pas l'impression non plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Tib? Bah, je sais pas, on va se boire une bière. Ouais, Non, mais on va prendre un peu l'air, on fait une petite pause. Ouais, on va faire une petite pause. Bon, on va faire une petite pause et puis on vous rejoint tout à l'heure. On espère, juste bien préciser, on espère avoir des invités. Hein, exactement. Après le match. Donc, on va voir qui, mais on espère avoir de bonnes surprises à la fin du match. Exactement. On vous en dit pas plus. Alors, à tout à l'heure. À tout de suite. Revient enfin. Tous les matchs uniquement sur Téléclub. Faites le plein de football. Abonnez-vous dès maintenant sur téléclub.ch/sport.
m'appelle Avouyo. Je m'appelle Mathis Becher. Je m'appelle Ricardo Alves. Alexis Martial, je vais avoir 19 ans dans quelques jours. Je suis au Servette FC depuis moins de 14, donc j'ai fait toutes les catégories juniors. Et puis pour finir, j'ai intégré depuis peu la première équipe. Pour moi, c'est une grande fierté. J'attendais ce jour avec impatience. Maintenant, je sais que c'est que le début et qu'il faut continuer à bien travailler pour essayer d'avoir du temps de jeu. Ils m'ont bien intégré. Bon, j'étais déjà depuis le début de la saison. Je m'entraînais déjà avec la première et puis ça se passe bien. Les grands, ils m'intègrent bien, ils parlent avec moi et ouais, tout va bien. C'est une bonne pression en fait. On est content de fouler la pelouse du stade de Genève, donc ça fait plaisir. Et en espérant que ça en appelle d'autres pendant ces 13 matchs, et on reste concentré et là pour le coach. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont intégrés avec la première équipe. Et du coup, je connais beaucoup de jeunes. Et ça m'aide justement à m'intégrer en première équipe. Après les plus anciens, ils nous mettent vraiment à l'aise dans tout ce qu'ils font. Ils nous donnent des conseils au quotidien, etc. Et nous, en tant que jeunes, ça nous aide beaucoup. Ouais, c'est sympa. Ça me donne un peu plus de confiance. Puis de les retrouver avec la première, c'est une fierté aussi. Ouais, bien sûr. On voit déjà des jeunes qui sont depuis plus longtemps, comme par exemple Imery ou encore Alves. Et ça fait plaisir de voir que le club il compte sur nous. Contrôle de Cespedes dans la surface, Cespedes toujours, la frappe et c'est goal! Et l'ouverture du score de Cespedes. 5e minute de jeu et les Grenats ouvrent déjà la marque. Le centre avec Cogna, deuxième poteau, Cogna l'occasion, Cogna et c'est goal! Et c'est but de Timothée Cogna! Oh,
revient enfin. Tous les matchs, uniquement sur Téléclub. Faites-le plein de football. Abonnez-vous dès maintenant sur téléclub.ch/sport. Je m'appelle Alban Ajdini, j'ai 20 ans et je viens d'intégrer la première équipe. Bah moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans à l'école de foot et en gros ça fait depuis cet âge là que j'ai commencé au Servette FC. Une grande satisfaction, surtout pour tout le travail qui a été fait et c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là avec le groupe. Une grande fierté pour lui et sa famille, ça fait depuis très très longtemps que je le connais et puis il travaille très dur pour atteindre un objectif et puis je pense que petit à petit il arrive à prendre ses marques et puis on est une équipe de jeunes et puis je pense qu'il s'intègre pas mal et puis c'est bien pour lui, une grande fierté pour lui. Oui c'est clair parce que avec certains par exemple comme Imri, j'ai grandi avec et c'est vraiment un plaisir et même pour la plupart d'autres joueurs M21, c'est vraiment un plaisir. Même les anciens ils comprennent les jeunes et puis ils essayent d'intégrer le plus de jeunes possible. Et c'est une grande fierté même pour eux, je pense, de réussir à montrer un peu l'exemple pour les jeunes. J'ai commencé à m'intégrer très gentiment et pour la plupart, j'ai entamé une discussion avec eux et je trouve que c'est vraiment de très bonnes personnes et surtout avec une grande expérience. Et non, franchement, tout va bien pour l'instant et le meilleur est à suivre. C'est fortissimo. Ah, sei fortissimo. La stessa attività che hai fatto. Pèse sur cette défense là. Fais le péter ce bamerde. Pèse dessus, pèse. Là, c'est magnifique les garçons. Il n'y a rien de mieux. Un bon derby, bien joué. Ce soir on joue bien, on gagne, on va la chercher. On gagne ce soir. On fait du grand foot et on gagne. C'est parti, après ta passe, tu changes de rythme. Comme d'habitude, mais du rythme. Voilà, allez, tu testes, voilà, c'est ça, passe et change de rythme. Voilà, c'est bien, Andrea, allez, encore. Hein, notre super performance, ça passe toujours par jouer vite et pressé. Jouer vite et pressé, avec ça, on va gagner. Jouer vite et pressé, allez, c'est parti, mon Dino. Oh, bien, bien, bien. Bravo, c'est exactement ça, tout à l'heure. Va dans la boîte, finis dans la boîte, tu vas marquer, Timo. Cherchez, va devant. Là. Hein, tu te prépares à ça, un grand match, on va chercher la perf. Allez, ils sortent pas, ils sortent pas. À droite. Non, faut pas qu'ils marquent quand on est en tête, on fout toi. Et pas oublier les pompes, et puis manque des professionnels. Et le pari. Pas oublier les pompes et le pari. Vous avez commandé Oui, merci. Absolument, ouais. Merci beaucoup. Merci Loïc. Bon, on est là, désolé pour le retard. On est de retour, mais non, on n'est pas en retard. On est descendu, moi, une petite bouteille d'eau, et puis c'est le traquenard là-bas. On commence à saluer, à parler du foot un peu, de la vie. On a croisé Patrick Giraud, notre ancien défenseur et capitaine de Servette. Challenge League à l'époque. Et puis 2005. Voilà, 2006, pardon. On a bavardé un petit peu, et puis voilà, du coup, on est monté en courant, on a fait un petit footing, on est là, la mi-temps, elle vient de commencer. Il y a touche pour Tassard. Maintenant, on attaque Tribune Nord. Ouais, Tassard qui est aux 30 mètres, hein, qui cherche une solution. Kay qui se propose. On est au poteau de corner. Kay qui parvient à conserver. Attention, il a deux joueurs sur lui. Merci beaucoup. Kay qui obtient une bonne touche. Hein, au poteau de corner, toujours. Oui, c'est Tassard qui va faire cette remise en jeu. Allez, il faut du mouvement. Tu penses que Tassard, il arrive à faire une touche dans les 16 mètres? C'est un petit peu la question. Fais voir, on va voir s'il a travaillé la musculation. Fais voir.
Non. Non, non. Ibé qui parvient à dégager. JP qui est au duel avec Vouillot. JP qui remet en retrait. Ou excellemment bien joué sur la droite avec Gamaleux qui est en 1 contre 1 contre Routis. Et regarde Fasnacht. Excellent Routis. Superbe intervention de Routis. Super Routis. Et c'est notre ami Tazar qui va comme un fou là sur le côté. Bien joué. Ligne médiane, c'est une touche pour ça. Bien joué, bien joué. Ouais, ça repart fort. Tazar qui ressort sur Routis. Super intervention de Routis. Il fallait vraiment couper cette passe parce que s'il est arrivé à Fasnacht, il était tout seul de mon fric. Oh, Kay qui va tout seul. Camara, il est costaud. Camara qui est vraiment costaud. Impressionnant physiquement. Ouais. Alors que Kay, il est costaud. Ah ouais, non, mais là, il l'a bougé propre. Ah, le fort qui écarte sur le côté gauche avec le Tomba. Et alors là, on voit Souleymani qui se chauffe côté Gaudino et puis l'autre, là, notre ami Serenzen. Et puis côté Servetien, il y a Schalke. Il y a le retour de Schalke qui est là. Schalke et Alves. Alves et puis Imery qui sont là à l'échauffement. Ibé qui est en possession et Camara qui a de l'espace, qui passe la ligne médiane maintenant. Qui essaye de trouver Gamaleux dans les pieds avec Yanko. Yanko qui joue sur Siro. Ça revient sur Lefort. On bascule de l'autre côté avec. Il y a Odis qui est là, qui nous regarde. Odinho, abrazo. Salut Odinho. Abrazo Odinho. Bisous à la famille Odis. Tu nous manques aussi. C'est parti, contre-attaque pour Servette. Dans le rond central, Ondoua qui fait une grande action. Dommage, il se fait chipper la balle juste au dernier moment. Bien joué Boris. Et Boris qui se bat. Bien joué Boris. Tiens la faute. Super Bobo. C'est ça mon petit là. Il a fait la muscu hein, Boris. Ouais, là il a pris là. Il est agressif, il est là, il récupère les ballons. On a. Routis qui a fait sa spéciale. Long ballon, mais voilà, il n'arrive pas à destination. Micha. Le fort qui anticipe. Aïe, aïe. Dommage. Ballon récupéré pour Yves. Ballon, on est au 16 mètres bernois. Ouais, je pense que les remplaçants de IB vont pas tarder à rentrer. Hein. Ils sont déjà vraiment bien dans le réchauffement. Donc bon, on voit la qualité qu'il y a sur le banc de IB. Hein. C'est assez sûr, impressionnant. Quand tu vois rien que sous les manies, s'il te plaît. Ouais. Camara qui était sur la ligne médiane qui joue avec Ebischer. Ebischer qui bascule le jeu, c'est très bien joué sur Fasnacht. Ouais. Fasnacht qui est au 16 mètres servetien, qui va pouvoir armer son centre. Il est en 1 contre 1 contre Sautier. Fasnacht qui revient en arrière. Il est droitier, sur Lotomba. Il est droitier, c'est Lotomba, pour ça. Lotomba qui hésite à centrer et il fait une passe. Il fait une passe à Boris sur les pieds. Qui passe la ligne médiane. On est en. Il essaye de la mettre en profondeur sur Kay, mais malheureusement, c'est Lefort qui a bien anticipé sur Lustenberger. Super belle passe de Boris, ouais. Ballon piqué par-dessus Boris qui fait un très bon match aussi. Hein. Attention le côté. Lustenberger, on est dans le rond central avec Siro. Siro, Lefort. Servette qui est en place. Avec 9 joueurs derrière le ballon. Lotomba à gauche. Attention, une, deux. Attention, il est à la barre des 16 mètres. Servette tient. C'est Gamaleux qui essaie de se faufiler, il doit écarter. Oui, mais ils ont peu d'espace, ils ont peu d'espace. Servette qui est en place. Attention, on est dans les 16 mètres désormais. Et Gamaleux, quel contre favorable, mais attention, il n'y a pas main, ça joue. Cogna et Routis. Routis qui dégage. Ah, Servette qui est un tout petit c'est peu un dans le dur. C'est un temps fort là, pour Young Boys, un peu. Ouais, c'est Siro, côté droit. Siro. Allez, faut tenir, les gars. Lustenberger, Servette qui est très bas. Hein. Qui est très, très bas. On est au 30 mètres Servette, hein, avec Lotomba côté gauche, qui est face à Micha. Micha, bien joué, il loupe sa passe encore une fois, heureusement. Vouillos qui récupère et puis qui s'en sort bien. Attention, on lui a pas dribblé. Attention, on lui a pas dribblé dans les 5 mètres. Dégage-moi cette balle. Bien joué, Boris. Voilà. Allez, Tazar côté gauche. Faut pas jouer avec les feux, les gars. Il faut pas jouer avec les on n'arrive plus à mettre le pied sur le ballon. Hein. Et oui, c'est ça que j'avais un peu peur, Tiber. Ouais. C'est l'intensité. On a mis beaucoup d'intensité en premier mi-temps. Ouais. Côté gauche avec Lotomba. Allez, il faut tenir. Il faut laisser passer l'orage. Lotomba qui est toujours face à Micha. Micha qui fait un travail de nouveau défensif. Remarque, attention, on est au 16 mètres. Et Zilam, bien joué, Ondua qui compte la frappe de Micha. C'était important. C'était important de ne pas laisser frapper Micha. Attention à cette frappe. Il est une super frappe. Hein. Super frappe. Ouais. C'était vraiment important de mettre les pieds là et puis pas laisser partir cette balle. Là, on est dans un temps fort du Young Boys, on est tous derrière, à part Kay qui est tout seul devant. Siro dans le rond central avec Camara qui est vraiment au 30 mètres servetien, IB qui est très très haut. Attention JP qui est dans les 16 mètres, bien joué de Routis, superbe intervention de la tête.
Et c'est Hazard qui dégage, mais toujours sur un pied. Oui, oui, c'est défense-attaque. C'est très compliqué actuellement pour Servette qui n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. On est côté gauche avec Lautomba. Lautomba qui calme le jeu, qui joue sur... Voilà, il y a beaucoup d'espace hein, sur Siro qui est très peu attaqué. On est loin, hein, on est loin. Attention, Fasnard qui va affronter Hazard. Oh, ouais, oh là c'est là, bon, heureusement qu'il a... Voyage, voyage, plus loin. Donc là, il y a Schalke qui va rentrer à la place du numéro 25, Kay. Donc Schalke, il va amener sa vitesse. Il va amener sa vitesse à Grinta. Donc c'est super, voilà, Kay, merci. Kay voilà, qui a fait son travail de nouveau, Kay. Hein. Voilà. Il a essayé, là, il a eu peu de ballons, peu d'occasions de se mettre en évidence, mais il a tout donné. Schalke qui est ovationné par les supporters qui sont là. Voilà, donc un profil complètement différent. Exactement. C'est un petit gabarit, mais qui va amener énormément de vitesse et puis qui va courir un peu partout. Ibé toujours avec. Et puis je pense qu'il a énormément envie de jouer. Ah non, le Lautomba qui se fait chipper la balle. C'est Schalke qui touche son premier ballon. Allez, on doit aux abords des 16 mètres. Attention, ça vient. Il se fait bien reprendre. Retour de Fasnacht qui récupère la balle. Attention, l'espace. Attention, l'espace à droite, il n'y a personne. Il décide de jouer sur... Attention, un contre un Sautier. Sautier Gamaleux, un contre un, on est dans les 16 mètres. Attention, c'est très très dangereux. Il est droitier. Très bien joué de Sautier qui se lance pas. Magnifique. Et Boris qui vient... Oh là là, on est côté gauche. Et c'est Cogna. Allez, mon pied. Allez, Lustenberg. Va affronter là, tout le bout. Va tout droit. Tu le bout. Voilà. Super, Schalke. Penalty. Pénal, Cognac, qui rentre, qui va. Qui fait double contact. Droite, gauche. Et attends, il faut que je fasse un peu comme il est tombé ou pas? Ouais, je fais le défenseur. Donc. Ah merde. Donc il est tombé. Je sais pas si on voit, mais il est tombé comme ça. Ah. Et là, c'est pénalty. Qui c'est qui va tirer le pénalty? C'est Koné. Allez, Koné. C'est comment type ça? Allez, on est prêt. Comme ça, fort. Allez, on est prêt. Vamos! Et magnifique entrée en jeu des Schalke. Allez. Qui a fait? Koné qui prend son élan. Allez, Koné. L'arbitre qui fait signe à tous les joueurs de rester aux abords. Vamos, s'il te plaît, mec! Allez! Loupe pas ça, vamos! Koné qui s'élance. Mais ça va! Triple changement pour Ibé. On était dans le dur, Mati. Mais sur un contre Cogna. Passa me la beauté, chat. Voy a beber el nombre de chat. Passa me la beauté, chat. Voy a beber el nombre de chat. Passa la beauté, chat. Voilà, on a fait le plus dur. On a fait le plus dur. Voilà, super entrée en jeu des Schalke. Cogna qui fait une super passe. De nouveau Cogna. On peut mettre sa percussion à la mi-temps. Exactement. Voilà, c'est lui qui donne la passe juste pour Schalke. Que Schalke a appelé. Il a fait un exploit. Contrôle intérieur. Crochet extérieur. Et il s'est fait faucher dans la surface. Il a fait trois perrues avant de tomber. Long ballon. Et mais c'est magnifique. Fantastique, c'est magnifique. Le public qui s'enflamme. C'est magnifique. Et Koné qui n'a pas tremblé. Voilà. Je transpire, Maté. Koné, il n'a pas tremblé. Je n'ai pas trop vu le pénalty. J'ai vu que la balle était au fond des filets. Alors, est-ce qu'il a pris au contre-pied? Non, alors Koné qui a tiré côté droit. Et le gardien est parti du bon côté. Il a touché la balle, mais donc il a pas réussi dire, à il a tiré côté gauche. Côté gauche du gardien. Exactement. Et puis, il a mis petit filet. Le gardien l'a dévié un petit peu dans il le Il a dévié un petit peu, mais on s'en fout, elle est dedans. Ouais, ça fait 1-0. Maintenant, les gars, il y a quand même. Allez, attention, les 5 prochaines minutes sont très importantes. Hein, faut garder la. En tout cas, surtout resserrer les liens entre l'équipe. On a être très très compact. On a mis la pression sur Young Boys déjà qu'ils l'avaient avant. Mmh. Avant le match, c'est eux qui avaient la pression. Là, alors là, je t'en parle même pas. Ibé a fait un triple changement, hein, Mathieu, on l'a pas précisé. Je sais plus trop. On était trop emballés.
Il y a Gaudino qui est rentré. Souleymane qui est rentré. Gaudino qui est rentré. Et je crois qu'il y a un troisième. Oui. Il y a un troisième. Là-bas sur la gauche, c'est toujours Fasnacht. Bah, là-bas, c'est toujours Bandoman. Donc il y a Gaudino. Souleymane au 30 mètres. Il écarte. Non, il y a deux changements. Il y a deux changements. Ouais. D'ici là, je vois. Attention, Souleymane qui est de 16 mètres. Rotis, excellente intervention de Rotis. Et bon, c'est qui? C'est Tassa aussi qui est avec eux. Ah, Souleymane qui essaie de s'en sortir. Oh là là, Souleymane qui est un excellent joueur, vraiment, qui parvient à s'en sortir. Gaudino, Souleymane. Frappe déviée. C'est incroyable, on l'avait dit, 5 minutes. Frappe déviée par Boris, je crois. Pour résumer l'action, on a Souleymane qui est au milieu de trois joueurs servetiens au poteau de corner. Qui arrive à trouver Gaudino. Il arrive à faire une talonnade sur Gaudino. Mais Souleymane, c'est Souleymane qui fait toute l'action. Gaudino qui fait tiens, je suis là. Il redonne à Souleymane qui frappe pied gauche qui est dévié par, je crois qu'il est dévié par Boris Espedes et puis qui lobe Frick qui pourrait en faire malheureusement. Ça refroidit, ça nous refroidit nous aussi, ça refroidit le stade de la Praille. Eh ben, on en parle juste avant, les 5 prochaines minutes d'un but sont toujours primordiales. Là en fait on s'est un peu enflammé, on a mis un et on a voulu mettre encore des buts alors qu'en fait la chose à faire c'était fermer, garder la balle, mettre les ballons sur le pied sur mettre les pieds sur le ballon. On a un joueur de classe. Ouais, attention parce que là il y a Micha qui passe. Tu vois, qui met sur Koné. Attention, Koné qui est dans les 16 mètres, qui va réussir à remettre en train sur Boris. Ça part dans les étoiles. Si jamais vous trouvez un ballon en dehors du stade, merci de le ramener à la Praille. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Non, alors. C'est vraiment dommage cette égalisation, mais d'ailleurs, oh là là, c'est vraiment pas mérité. Bon, alors, sur le début de deuxième mi-temps, on a quand même Ibé qui faisait un très bon début. Attention, mais il savait pas d'occasion. Attention, Mathias, parce que là, on est aux abords des 16 mètres de Servette. Attention. Allez, les petits grenades, il faut tenir là. Hein. Ça va être pas facile ces prochaines minutes. On a avec Lotamba qui joue dans les 16 mètres, remis sur. On dit met le pied. Souleymane qui fait une entrée incroyable. Il écarte sur Fasnacht. Fasnacht qui. Il faut pas trop les amener. C'est Jérôme qui s'impose. Il s'impose, Jérôme. C'est bien joué, ça. Il s'impose, là. Dans les airs. Dégagement au point, ça donne une touche pour Ibé avec Yanko. Yanko sur le côté droit. Yanko qui cherche une solution. Il n'y a aucun mouvement côté Ibé. C'est dommage, on avait fait le plus dur. On a fait le plus attention, dur. Attention, t'es l'espace, on prend les amis qui. Elle est dehors, arbitre. Non, elle n'était pas dehors. Tazar qui essaie de dégager, mais on est toujours aux abords de la surface servetienne. C'est dur. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, attends, l'arbitre qui va parler à Frick. Bon, l'arbitre qui arrête le jeu, il s'en va parler avec Frick parce que Frick rouspète, hein, je crois, que parce qu'il réclame une faute sur lui. Oui. Au duel avec Jean-Pierre. C'est ça, je pense que c'est ça. C'est soit ça, soit qu'il a dit que la balle était dehors, peut-être. On va savoir. Mais en tout cas, l'arbitre, il n'a pas mis de carton jaune, donc ça va. Yanko qui remet en jeu. Konya qui parvient à dégager. Mais c'est toujours Ibé, attention. Ibé qui est au poteau de corner. Yanko qui arrive à centrer. Attention, Isamé. Ouh, attention. Oh là, on a eu chaud. Qui arrive à s'interposer. Il faut peut-être calmer, mais l'arbitre, il n'a rien vu. Voilà, bien joué, Jérôme. Fais remonter tout ça. Tranquille, voilà. Dégagement de Jérémy pour Schalke qui gagne son duel, mais ça revient dans les pieds de Fasnacht. On est dans le camp d'Ibé. Le tombe Fasnacht sur Jean-Pierre dans les pieds. Jean-Pierre qui essaie de talonner à Rotis. Rotis qui joue avec Jérémy. Oh, attention. Ça va. Frick qui prend son temps. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même un joueur de classe qui rentre. On en parlait juste avant, et puis. C'est clair que l'action, il l'a fait lui. Ils ont quand même beaucoup de réussite sur le but. Et puis Gaudino, c'est un joueur formé au Bayern de Munich, qui était la saison passée à Saint-Gall. Il y a eu un tampon de Gamaleu, là, alors qu'il joue le ballon, mais alors, il était comme ça. Bon, les pieds décollés. Il y a un ballon entre deux, il joue le ballon. Il y a toute l'équipe des New Boys qui vient réclamer, mais il s'en sort bien avec un carton jaune, je trouve. Et ça serait bien de lui donner la deuxième biscotte. La deuxième biscotte, il la mérite peut-être parce que là, il va presser tête contre l'arbitre. Eh oui! Bon, les esprits se calment un petit peu, ça va être coup franc pour Ibé. Mais c'est sur ce genre de ballon. Non, coup franc pour Servette. Pour Servette, pardon, mais sur ce genre de ballon où les deux joueurs. Oui, attention, l'arbitre est. Il s'est calmé. L'arbitre a calmé les esprits. Quand même, hein, c'était pied de les Servettiens qui accélèrent le réchauffement. Hein. On a. Il y a ma copine là qui s'échauffe, Alves. Salut, Anto, salut.
Imery qui rentre. Imery qui rentre. Je n'ai pas vu qui c'est qui est sorti. Il est là-bas. C'est Boris. C'est Boris, exactement. C'est Boris qui est sorti. Donc, qui sort directement. Qui a fait un super match. Il a fait un super match. C'est coup franc pour Servette. Sautier qui est 10 mètres devant la ligne, dans le camp d'IB, devant la ligne médiane, et qui va jouer directement dans le box. C'est parti. Allez, au duel. Bien joué. Dommage. Routis qui a réussi à gagner son duel, mais c'est trop faible pour. Ouais. C'est trop léger pour inquiéter Fondbalmos. Fondbalmos qui temporise, qui joue sur Lustenberger. Non, c'est pas Lustenberger, c'est le troisième changement. C'est le troisième changement. C'est Sorensen, non? Voilà, c'est Sorensen qui est rentré Sorensen. En fait. Et puis en c'est... défense centrale, à la place de Camara. Camara qui est sorti. On le cherchait, ce troisième changement. Exactement. Et là. On l'avait pas vu parce que vu que Young Boys étaient tous des bons, on n'avait pas vu. Routis qui joue là sur Koné qui gagne son duel. Schalke. Dommage, c'était bien. Il a essayé de jouer en profondeur sur Mitchia. L'idée était bonne. Qui était trop court pour récupérer la balle. Fondbalmos avec Lefort. Lefort. C'est un mec qui se remet en place au milieu du terrain, gentiment. On a eu beaucoup d'émotions là ces dernières minutes. Les deux équipes doivent un petit peu souffler là. Hein. Lefort, Servette qui ne met aucune pression. Hein. Servette qui récupère un petit peu au milieu du terrain. Ouais, j'ai pas. C'est Ondoa qui récupère la balle au milieu du terrain. Ah, c'est dommage, il avait de l'espace, mais il perd la balle. Attention, c'est le petit. C'est Fasnacht qui centre pour personne. C'est Fasnacht qui centre pour personne. Heureusement qu'il n'y avait personne. Ondoa qui perd le ballon. Le ballon se reconnaît. Koné qui est en contre Lefort. Super contrôle. Un contre un contre Lefort. Super contrôle. On est sur le côté gauche. Touche pour Servette aux 16 mètres. Koné qui l'a fait, qui revient sur Tazar au milieu du terrain. On est à la ligne médiane. Tazar qui revient sur Jérémy. Vouillot qui s'empare malgré tout du ballon. La balle était un petit peu entre deux. Sautier côté droit qui revient sur Vouillot. Vouillot qui joue sur Routis, son compère de la défense centrale, qui font un excellent match tous les deux. C'est comme s'ils avaient tout le temps joué ensemble, ces deux-là. Oui. Le petit Vouillot. Ondoa au milieu du terrain qui joue long. Il passe les tests. Sur Konya. Konya au duel. Schalke qui cherche la faute, il l'a pas trouvé. Il ne tient pas. Là par contre, il y aura faute pour Ibe. Le public qui s'énerve, ouais. Faute pour Gordignan. C'est juste le public qui joue son rôle, qui met un petit peu de pression sur l'arbitre, les Servettiens, hein, qui vont avoir fort à faire sur cette fin de match, hein, Mathias. Oui, ça va être très... Ça va être dur, mais on va tenir. Ça va être dur. C'est dommage de ne pas avoir gardé ce C'est vraiment ce dommage, score. On a fait le plus dur. Ouais. C'était marqué contre Young Boys, et puis voilà, on n'a pas su garder cette... Schalke qui est rentré, il a vraiment envie. Qui met sa grinta au service de l'équipe. Attention à ce long ballon compliqué qui... qui revient sur le gardien d'IB, Fondbalmos qui dégage. Encore. Fondbalmos avec Souleymane au duel avec le petit Tazar qui gagne son duel hein, de la tête. Tazar qui fait son match. Ah ouais, Tazar en tout cas défensivement. Alors il y a un double changement qui se prépare là, côté Young Boys. Avec les entrées là du 21 Elia Meshak. Ouais. Et puis Ulysses Garcia, c'est le Genois, Ulysses, qui va rentrer en jeu. Ulysses qui est normalement latéral droit. Donc à mon avis, c'est Janko qui va sortir à sa place. Et puis je pense aussi qu'un Gamalo va sortir. C'est Lotomba. Lotomba qui sort et qui cède sa place à... Donc justement... Ulysses Garcia, il va prendre la côté gauche. Côté gauche. Donc c'est du changement poste pour poste, après on a Lefort avec son bandage qui sort, mais Lefort qui a fait un bon match hein, malgré son... Mais du coup, c'est Lustenberger qui passe défenseur voilà, central. Exactement. Et on a Elia. Elia qui va passer... Oui, je pense qu'il se met en 10. Hein. Oui, il va jouer derrière Nzame. Ouais, attention. Allez, côté gauche avec Konya. Même en centre. Konya qui... Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un blessé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi Konya il a rend la balle à IB, on ne sait pas pourquoi. Il a cru qu'il avait un blessé. Jean-Pierre. Jamais j'aurais fait un geste comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez, Souleymane qui. On lui en veut pas. Bien joué, Routis qui gagne ses duels, c'est bien. Et il y a Sewane qui court tous les ballons qui sortent en touche. Sewane qui sent que son équipe aura de la peine à passer l'épaule aujourd'hui. Janko, on est sur la ligne médiane. Remise en jeu pour IB.
Yanko qui cherche une solution. Il joue avec Ebischer. Ebischer pour le nouveau rentré. Elias. Oh, attention, Tassar qui s'est fait avoir. Tassar qui s'est lancé. Nzambe qui est sur le côté droit, qui remet en table. Soleimani, attention, les formes. Bon, Soleimani. Allez, Cognac. Cognac, voilà, il y a Tassar qui est. Imery. Imery qui a bougé. Imery dans l'axe central servetien, il écarte côté droit sur Sautier. Sautier joue long sur Mitja, en profondeur. Allez, Mitja, super. Allez, Mitja qui est au coude à coude. Va, obtiens quelque chose. Va. Dégagement de fond de balle. On panique. Récupération de Sautier. Ondua. Ondua dans le rond central qui joue avec Tazar côté gauche. Tazar qui fait une petite balle piquée sur. L'idée était bonne, mais elle est un petit peu longue et c'est fond de balle qui s'empare du ballon qui dégage. Attention, c'est du 2 contre 2. C'est du 2 contre 2. Et là, c'est le petit Vouillot qui est au duel. Attention, t'es fait pas avoir, Il se fait passer devant, mais ça va. On est sur la ligne médiane désormais et Soleimani qui revient. Au milieu avec Ebischer. Ebischer au 30 mètres qui a un petit peu d'espace. Attention. Maintenant côté droit. Ebischer qui est obligé de revenir sur le bon pressing d'Ondoua. Ebischer qui est un bon joueur techniquement qui arrive. Oui, il est à l'est techniquement. Qui arrive à écarter sur le côté gauche de l'autre côté avec Gaudino. Ebischer à nouveau. Fasnacht. Fasnacht qui. Il y a Garcia qui est très haut. Garcia est très haut de l'autre côté. Gaudino qui va essayer. Voilà. On est au 40 mètres, hein, Servette qui est très bas. Qui est... Ebischer. Les défenseurs servettiens sont sur leur ligne des 16 mètres. Allez, il faut remonter un petit peu. Routis, voilà, Routis qui dit à sa défense de remonter, il gagne 10 mètres. Yumbosh qui font tourner d'un côté à l'autre pour trouver l'ouverture, mais qui n'arrive pas. Attention, le duel là. Ah, Cognac. Yanko, on est sur le côté droit. Cognac qui est bien revenu face à Yanko. Gaudino qui va centrer. C'est parti, c'est centre. Routis, la tête. Allez, Frick, qui s'impose. Bien joué. Oh là là, il y a un coup de coude des Amis. Et attention, parce que Nzambe qui va se prendre en rouge. Ah non, jaune. Ah là, il est vraiment gentil. Il a mis Nzambe, il a mis un coup de coude sur Sautier. Je sais pas s'il a fait exprès. Connaissant Jean-Pierre, je pense pas qu'il a fait exprès. Le connaissant exactement, je pense pas qu'il a fait exprès. C'est plutôt un geste. Ouais. Voilà, Sautier qui se relève. Mais voilà, on. Un mec qui s'excuse et puis qui dit qu'il a pas fait exprès. Moi, je crois qu'il a pas fait exprès. Non. Il a voulu se protéger un peu et puis il a touché le visage de. Bon, ça va permettre aux Servettiens de souffler un petit peu. Frick qui est devant les 16 mètres et qui va dégager. Donc il nous reste. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il va voir le VAR. L'arbitre va voir le VAR pour les gestes d'Nzambe. Aïe. Ça sent mauvais pour Jean-Pierre. Hein, parce attention. Que si l'arbitre va voir le VAR, ça veut dire que. Ça sent mauvais pour Jean-Pierre. C'est peut-être un geste de frustration. On va voir qu'est-ce qu'il décide l'arbitre. Mais si l'arbitre il a été appelé à l'oreillette, ça sent pas bon. Ouais. Ça serait un retour à. L'arbitre qui est toujours un retour à Genève pour un Samuel difficile. Ouais, ça sent mauvais. L'arbitre qui sort son carton, en tout cas qui a sorti son carnet. Il est en train de voir s'il a déjà un carton, peut-être. Je sais pas. Ouais, alors attention, ça l'arbitre qui revient vers le terrain, qui montre la télé. Il va voir. Probablement. Carton jaune, non, il va voir. Il a un carton jaune. Il va annuler le carton jaune. Il va annuler. Et il va mettre un rouge, je pense. Il va annuler le carton jaune, il va mettre un rouge. Annuler. Rouge. Ouais, c'est rouge. Rouge direct pour Nzambe. Ouais. Voilà, retour difficile à Genève pour Nzambe. On n'a pas les images, on peut pas tellement s'exprimer. On n'a pas forcément l'impression que c'était. Mais c'est peut-être un geste de frustration, d'énervement, ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Voilà, Nzambe qui a un retour difficile dans son ancien club. Ouais, c'est un cauchemar pour lui, hein. Il n'aura jamais marqué contre Jérémy. Il a eu un poteau aujourd'hui. Ouais. Et il se prend un carton rouge, c'est très très. Carton rouge direct et. Soirée très très et dur. Puis, on va voir combien de matchs il va prendre, mais. Mais de voie de fait, ça peut vite aller à 2 à 3 matchs. Mais voilà, Young Boys qui se retrouve à 10. Young Boys qui se retrouve à 10. Ça fait les affaires de Servette qui pourrait bien tirer son épingle. Et qui perd les meilleurs buteurs du championnat suisse. Donc Young Boys qui s'affaiblit. Ça peut être un tournant du championnat aussi tout en haut. Hein. Exactement. Un partout, il reste encore 20 minutes à jouer minimum. Donc voilà, il y a quelque chose à faire. Mais malgré. Vouillot qui est sous pression et qui dégage en touche. Attention, Ibé va pas se laisser forcément impressionner, même à 10. Hein.
Ibé qui est en possession du ballon, on est au 40 mètres Servette. Allez, Servette qui est un petit peu bas, on a l'impression que Servette. Mais je t'avoue que je suis surpris, je l'ai pas vu, mais si l'arbitre il a décidé de donner un carton rouge, je le connais et puis c'est pas quelqu'un qui fait des choses comme ça. Mais. Fonbalmos qui écarte sur Lustenberger avec Sorensen. Sorensen qui a beaucoup d'espace, il s'avance jusqu'à la ligne médiane. Alors Mathieu, il faut bien préciser qu'une équipe à 10 contre 11, oui, c'est un avantage pour l'équipe qui est à 11, mais ça peut donner parfois un coup de boost à l'équipe à 10. C'est sûr, c'est sûr. Parfois, par rapport à l'injustice, combien de matchs on a gagné à 10 contre 11? Combien de matchs on a gagné, type, on les compte pas sur les mains. Donc il faut se méfier. En plus, c'est Young Boys à 10. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère qu'on aura plus d'espace. Et puis qu'on va se lâcher un peu plus là, parce que là ça fait quand même déjà quelques minutes qu'on n'arrive pas trop à sortir de notre camp. Hazard, et puis Young Boys qui mettent une pression énorme sur nous. Donc voilà, là on voit qu'il y a Fasnacht qui reste tout seul devant, avec les petits qui est rentré là, comment il s'appelle, Elia. Qui est juste derrière lui. Donc Ibé qui va s'articuler en 4-4-1. Exactement. Et puis là, il y a Gaudino et Bichère en 6. C'est ça. Ibé qui a toujours le ballon côté gauche. On est au 30 mètres Servette. Souleymani. Ça va être un enjeu. Non, l'arbitre ne lève pas son drapeau. Il va falloir être fort quand même, hein, parce qu'on voit que Ibé, malgré tout, malgré l'expulsion, ça ne les a pas trop affectés. Et il récupère les deuxièmes ballons. On est au 40 mètres Servette. Toujours. On est avec Gaudino qui conserve la balle. Bien joué, Imery. Super, et c'est contre-attaque. Allez, mon petit Konya. Il va s'affronter. Et l'écart sur Koné. Oh là là, Mitch à côté droit. Mitch qui sort. Super. C'était pas mal joué. Mais, à mon avis, je pense que Konya, il aurait dû jouer sur chaque côté gauche. Ibé qui remet le pied sur le ballon. Il aurait pu jouer sur chaque côté gauche qui avait fait l'effort. Effectivement. Et il lui a pas mis bon, il a fait son choix, c'était pas le bon. Ouais. Mais en contre-attaque, on est intéressant. En contre-attaque, attention, ça pourrait aller vite en contre. Ibé qui a toujours la balle, côté gauche. On revient. On est dans le camp Servette, attention. Servette qui est de nouveau un petit peu bague. Mal récupéré, long ballon, trop long ballon. Ouais. Elle avait en touche pour Frick. Il faut que Servette arrive un tout petit peu à grappiller du terrain maintenant à 11 contre 10. C'est plus facile à dire depuis ici qu'en bas, mais... Allez, il y a quelque chose à faire, les gars. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Allez, les gars, on donne tout. On va chercher les 3 points, là. Rotis avec la balle, il n'est pas attaqué, il peut avancer gentiment. On est toujours dans le camp servettien. Ibé qui nous attend maintenant au milieu du terrain. C'est clair que sur les actions placées depuis le gardien, ils vont pas aller presser maintenant. Ils vont nous attendre tranquillement. On doit qu'ils jouent long côté gauche sur Konya, c'est un petit peu long. Yanko qui récupère la balle, qui joue en profondeur, mais ça va sortir en touche. Il a mis une balle pour l'arbitre des touches. Il a voulu jouer en 1-2. Oh, il a voulu donner aux gars qui font l'échauffement, je sais pas, il manque un ballon. C'est Hazard qui a la balle sur la ligne médiane, qui joue avec Koné dans les pieds. Attention, Routis au duel avec le nouveau. Oui, attention, c'est difficile. Attention, Jérémy qui sort. Bien joué. Elia, il a l'air assez rapide. Il faut faire attention à lui. Il a marqué, je crois, le dernier match contre Neuchâtel, d'ailleurs, je crois qu'il a marqué. Bon, ils sont tous marqués. Ouais, ils ont tous marqué, ils ont gagné 10. Non, voilà, 6. C'était un match de tennis. AIB à la maison. Allez, Servette! Vamos! Allez, les gars! Et ça va être une touche pour. Pour Servette! Allez, Tazar qui va là sur Konya! Konya avec. C'est dommage, Schalke qui se fait piquer le ballon. Attention! Bien joué. Un doigt qui coupe l'action. Qui récupère Schalke. Schalke à la balle, qui prend la balle dans l'espace. Mets-lui! Alors Schalke qui va s'affronter côté gauche. Il va rentrer dans les salades. Allez, affronte-le, mon petit! Allez, tu reviens! Non, il n'y a pas gauche, j'y crois pas. Poto, elle revient sur le gardien. Gardien la touche, elle revient sur lui. Elle va sur le poteau. Elle va sur la ligne, elle revient sur lui. Incroyable. On était proche du 2-1. Incroyable. Qu'est-ce qu'on était proche du 2-1? C'est bon, ça sent bon tout ça. Mais on va y arriver, mon gars. Ça sent bon tout ça, team. Ça sent bon tout ça.
ça. Et les remplaçants, ils vont faire la diff, tu vas voir. Bon, pari sur qui va marquer là? Schalke va marquer. Moi, je dis Koné. Schalke va marquer. Il mérite son petit but, il est rentré en feu. Il reste plus de 10 minutes, hein, 10 grosses minutes dans le temps réglementaire. Quand tu veux, tu fais les 20 pompes que ouais, tu veux. D'ailleurs, c'est même passé. Allez, quand tu veux, tu fais les 20 pompes. J'ai ce micro, attends. Quand tu veux, tu fais les 20 pompes, tu mets doigts de la semaine passée. Vas-y, tu peux les faire. Attendez, parce que je vais pas m'emmêler les pinceaux dans le micro. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, comment on m'a appris avec les bras serrés. 7, 8, 9. Donc là, il y a Souleymani qui a la balle. Souleymani qui a la balle, personne. Il y a Gaudino. Eh, t'as même pas compté. Au milieu de terrain. Je crois que c'est bon. Je t'ai fait confiance. Je crois que c'est bon. Ça marche à la confiance. Souleymani. Récupération de Tassar. Il mérite qu'il en pour son tir. Attends, fais gaffe. Et l'équipe qui monte. Voilà. Senti qu'il est cassé. Micha. Et puis je crois qu'il est l'heure. Il est l'heure de mettre. Il mérite, on y va. Comme ça, c'est fait. Voilà, tu peux la mettre pendant 5 minutes, Tim. Ouais, moi, je vous bats. Choisis. Ouais, c'est là. Voilà. Bon, sachant que ça va faire la diff. Pendant 5 minutes. J'ai perdu le pari et je sens que ça va faire la diff. Je sais pas pourquoi. Attends, si j'arrive à la mettre. Steve, on dit un truc, si jamais pendant les 5 minutes on marque un but avec ça, dans les moments difficiles, là, tu vas devoir la mettre. Attends, j'arrive pas à la mettre. Attends. Si là on marque, Steve, c'est un signe. Si là on marque, c'est un signe. Je crois qu'elle s'est cassée. Allez. Bravo! Allez, Routis qui gagne le duel! Allez, les gars! Allez, on y croit! Moi, j'y crois, moi! Mais moi, c'est sûr qu'on y croit! Mais bon, moi, je suis à fond! Libère la balle, là! Attention, on est aux abords des 16 mètres avec Elia. Elia qui joue dans la profondeur pour Yonko. Yonko qui joue en retrait sur Ondua, mais Ondua est très calme. Il n'y a plus un jamais dans la surface! Cognac qui va casser des reins. Voilà, il avance balle au pied. Voilà, il nous fait des isous. Ne sortez pas sur lui, il va vous casser les reins. Il est fort, c'est petit. Il est cassé. Et Cognac qui va affronter un contre un sur le côté gauche. Bien joué, Ibéry, il a des 16 mètres. Ibéry, fais-lui une magie là. Ah, il se fait passer devant dommage. Oh, le Stenberg. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. À l'époque, tu vois, il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Tu l'as touché, il faisait. C'est ça. Ça, c'est l'expérience. C'est clair. Mais oui. Hey, il faisait déjà chaud avant, mais alors avec ça... Voilà les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il allait au même coiffeur que l'effort. L'effort, il avait la même coupe sur le terrain tout à l'heure. C'est vrai. Quelqu'un pourrait me donner un élastique, s'il vous plaît? Ouais, ou un bandage. Ouais, attends, on va aller chercher les bandages, les mêmes bandages que l'effort. Attention Mati, Ibé avec Souleymani qui joue dans l'espace avec Elia. On est dans les 16 mètres servetiens. Côté droit de la défense servetienne, Micha qui fait ses efforts tout le temps, incroyable. Il doit être à 18 km. Il est à 125 km. Tiber, on nous demande si tu as les origines valaisannes. Oh, non, pas du tout. Micha qui est là. Micha, regardez Micha. C'est un exemple, ce joueur. Tiber, il a les origines valaisannes. Non, il n'a pas les origines valaisannes. On dit qu'il était Wapa, Tiber. Attention, c'est Ibé qui est Souleymani qui fait une petite pichenette. Joué Sautier. Qui est intercepté par Sautier. Ibé qui a toujours la balle, toujours dans le camp servetien. Attention, ça va être quelqu'un. Attention, c'est centre. Et on a Elia qui est aux abords de la surface, qui essaie de se retourner. Bien joué, Ondua qui a contré pas mal des frappes aujourd'hui. C'est le coffre-fort servetien là, qui est sur les 16 mètres. Ibé qui est en possession du ballon. Yonko, côté droit. Yonko qui essaye une de se bien jouer. Attention à ses centres. Yonko qui essaie de centrer. Cognac, attention, il va casser les reins. Allez. Cognac qui joue. Oui, super, sur Cognac qui va le mettre. Faute. Mais c'est la carte arbitre. Bonne faute, hein. Bien joué de Koné qui met son corps en opposition et qui trouve la faute. Oui, d'ailleurs Koné, il a... Au milieu du terrain. Koné action, c'était déviation de la poitrine, la même déviation. C'est ça, il cale. Pour Cognac qui avance, il fait 3 passements des jambes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, roulade avant, roulade arrière, et puis qui trouve poteau rentrant des... Comment il s'appelle? Frickencher. Non, ouais. Comment il s'appelle? C'est le mélange de Frick et Frickencher. Ouais, un truc comme ça, là. Vouillot, sur la ligne manière avec Routis. C'est le fils des Frick et Fletcher à l'époque, tu sais, ça fait Frickencher. Allez, Cognac sur le côté gauche, on est... Tiber qui ressemble à Amanda. C'est qui Amanda? Bah écoute, je sais pas. On sait pas, on verra après. C'est quelqu'un du Valais. Allez Mathieu, reste dans le match, il reste peu de temps pour aller chercher cette victoire. Mais oui, petit bouillon qui met sur Micha. Ah, il loupe sa passe. Elle est contrée. Micha qui se bat. Eh, dommage.
Alors, Ibé qui parvient à se dégager. Oui, à dégager. Sauter oui, pas au duel, on est sur la ligne médiane. Allez, Ibéry. Allez. On est au duel, ça se bat, récupération de Hé, on y croit. Moi, je te jure que... Bon, je vais rien dire, Si Servette, il met le 12ème but là, ça finit mal ici. Qui fait une bonne rentrée aussi, qui écarte sur Cognac. Allez, Cognac. Cognac qui va tenter sa chance. Allez, crochet. Crochet incroyable. Mais il est brésilien. Mais il est brésilien, ce petit, il est doux. Ondoa, attention, Ondoa. On est toujours aux 40 mètres de Ibé. Oui, il frappe. Imery qui essaye du tranche des 40 mètres. Franchement, s'il la mettait, je pense qu'on pouvait quitter le... Oui, on pourrait quitter le plateau. On pourrait quitter le plateau, franchement, ouais, on pourrait quitter le... Mais c'est bien santé, il tente. Il tente, il a raison. C'est ça qu'il faut. Il faut tenter. Fond de balle, moi, voilà, un petit conseil, tentez, si on ne tente pas, on n'a rien dans la vie, voilà. Petit fond de balle, qui calme le jeu, parce qu'il sait que son équipe, eh ben, elle est quand même à 10, et puis que ça va être dur jusqu'au bout. Et fond de balle, qui se fait siffler, mais il a le ballon dans les pieds, quand si personne ne l'attaque. Il envoie quoi comme signal, là? Ça veut dire que les premiers du championnat, et content du match nul. Et content du match nul, ici, à la Prague. Moi, ça me fait plaisir. Mais on veut la victoire. Nous, on veut la victoire, bien sûr. Nous, on veut la victoire. Évidemment. Sauti à la remise en jeu, côté droit, au 40 mètres sur Koné. Koné qui dévie. Schalke. Et l'autre, il envoie la balle. Il a envoyé la balle au village du soir. Il a envoyé la balle au village du soir. Si Servette gagne aujourd'hui... Si jamais vous retrouvez le ballon au village du soir, une boisson offerte pour la personne qui récupère le ballon. Routis sur la ligne médiane, oh, il a fait une spéciale longue. De l'autre côté avec Mitia au duel avec. Oui, Mitia qui gagne son duel, mais qui l'a mis Mais Routis, depuis le temps qu'on le connaît, qu'est-ce qu'il adore. Ah, il adore les couper quand il regarde là-bas, puis il la met là-bas. Ah oui, en plus, il est parti jouer en Angleterre. Hein. Ouais. Et oui, parce qu'il adore ces jeux. Ouais. Et j'ai chaud, je peux m'enlever. Oui, c'est mon type. C'est bon, super. Allez, on va faire comme ça. Prochain corner, quoi? Prochain but? Moi, je suis sûr qu'on prochain but, alors. Bah, moi, je ouais, maintiens... Mais les deux, on va dire que Servette va marquer. Mais oui. C'est sûr. Mais moi, je maintiens Koné. Prochain but, toi, t'avais dit Schalke. Moi, j'ai dit Schalke. Ibé sur le côté gauche. Ibé qui va réussir à centrer. Non, il est dehors. Alors, depuis ici, où on est carrément sur la ligne. Sur la ligne de fond. Défend côté tribune sud. Donc ils en ont partout là, non? C'est quoi? Non, ça va, t'as rien. Là, c'est. Non, t'as rien. Mais oui, regarde, j'en ai partout. Là. Ah, c'est bon. Je suis beau gosse ou pas? Ouais, c'est beau gosse, t'inquiète pas. Tu t'es pas décoiffé. Allez, Jérémy qui dégage. Bon, on va aller chercher cette victoire. Imery au duel dans le rond central avec Lustenberger. Ouais, attention, il va vite! Oh, il y a Frick qui sort! Carton rouge pour Frick qui sort, c'est dommage. Ouais, il s'est fait surprendre par le rebond. Carton rouge pour Frick. Ça a fusé. Donc, il y a eu un long ballon. Il y avait Elia qui partait en profondeur, qui avait pris de vitesse Routis. Non, parce que en fait, tu sors du champ de la caméra. Qui avait pris Routis, et puis en fait, Frick qui sort de la surface et qui touche la balle avec les deux points. Et donc voilà, c'est carton rouge et puis ça remet les deux équipes à égalité, 10 contre 10. Et Mati, je crois que Servette n'a plus de changement, donc c'est... C'est un joueur qui doit aller dans les buts. Probablement Routis. Oh là, c'est Routis qui va aller dans les buts. Est-ce qu'il y a encore un changement? Non, mais oui, il y a des changements, ils sont en train de s'échauffer. Voilà, il y a bien sûr qu'il y a des changements. On rappelle que c'est 5 changements. Oui, il y a des changements, bien sûr. Dans la période post-Covid. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que c'est un joueur qui est en train d'aller sur le terrain. Alors que c'est un gardien qui est... Il y a Kassim Boua qui va se changer. Je pense qu'il doit se changer. Ça me paraît bizarre. C'est vraiment dommage pour Frick. Frick qui était en feu. Hein. Mais en fait il a mal anticipé la trajectoire du ballon parce qu'en fait, la balle, elle a fusé. Absolument. Elle a rebondi par terre, elle a fusé. Absolument. Et en fait, il voulait dégager la balle de la tête. La tête, exactement. Et en fait, s'il ne la touchait pas des mains, l'autre partait tout seul et il marquait. Ouais. Donc il s'est sacrifié pour l'équipe. Mais il y a un coup franc intéressant aussi pour... Attention à Souleymane. Pour Young Boys. Attention à Souleymane. Mmh. Attention à Godino. Mmh. Et attention à Fasnacht. Les trois, ils tirent merveilleusement bien les coffres. Et puis là, il faut savoir qu'il y a le gardien Kassim Boua. Kassim Boua qui rentre. On le voit toujours pas, hein. Je crois qu'il doit Je pense qu'il est en train de mettre les gants. Mais par contre, il rentre, il est froid. Moi, je vois un joueur de champ qui se change là. Donc, je sais pas.
Non, mais Kasumbwa, il va rentrer. Et puis le pire, c'est qu'il est froid. Regarde Godino qui se prépare avec Souleymani. Là, tu sais pas si c'est un droitier, un gaucher qui va tirer. C'est pas facile pour un gardien de rentrer dans un match comme ça. Aïe, c'est chaud. Ah, c'est un match, il se passe des choses en tout cas. Il y a Kasumbwa qui va rentrer avec les maillots verts là-bas. Ça y est, il est prêt. Allez, Kasumbwa qui reçoit les encouragements du public. Il va faire l'arrêt qu'il faut, Kasumbwa. On compte sur lui, on sait qu'il va répondre présent. Aïe, c'est pas mérité tout ce qui nous arrive là, c'est pas mérité. C'est le football, c'est le football, ouais. c'est ça la beauté du football. En tout cas, on aura eu un petit peu toutes les émotions. Il y a Micha qui sort, c'est Micha qui sort. Voilà. Donc c'est Micha qui sort, qui a fait les efforts, mais qui a couru, je sais pas, 20 km aujourd'hui. Ouais. J'aimerais bien voir le GPS de Micha aujourd'hui. Non, il a dû exploser à mon avis. Ouais, et en plus il enchaîne les matchs, C'est juste, t'as raison, je crois qu'il est jamais sorti, depuis le début de la reprise. Et puis là, il y a... Kasumbwa qui rentre en jeu, allez. Oh là là, le coup franc, j'ai envie de vous montrer, j'ai envie que vous voyez ce coup franc, parce que le coup franc, il est vraiment idéalement placé aux abords de l'arc de cercle. Hein. Oui. C'est vraiment pour un bon frappeur, attention. Hein. C'est normalement pour un pied droit, c'est pour un droitier. Mais connaissant Souleymani, il pourrait le tirer, mais Godino, attention. Allez, Kasumbwa qui est dans ses buts désormais. Godino, il tire super bien les... Il place son mur. Aïe, attention. Kasumbwa qui place son mur, il se met accroupi à son poteau et il donne ses consignes au mur. En tout cas, on hésite un petit peu, on dirait côté IB, hein, sur le... Ouais, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi faire. Sur la désignation du tireur, je mets une pièce sur Souleymani quand même. Hein. Hein. Moi, franchement, je pense que ça va être plus Godino qui va tirer. Attention, l'arbitre qui siffle. C'est plus Godino qui va tirer. Et c'est Imery qui vient se placer sur la ligne. Oui, ouais, c'est le mur qui court, magnifique. Allez, montez les gars, montez. Ballon contré par le mur, voilà, super les gars. Attention. On est sur côté droit pour Elia. Magnifique intervention de Cognac. Allez, Cognac, qui récupère la balle. Brésil. Allez. Il y a le Brésilien. Excellent pour Tazar. Tazar qui parle là-bas. Attention. Bon, on se retrouve à 10 à 10. 10 contre 10. C'est Ibé qui a la balle au rond central. On revient en arrière côté IB, on panique un petit peu dans la défense. C'est une longue balle en cloche. Au duel, attention, IB qui gagne le duel. Attention, oui, petit. Super. Super attention. Il fallait la sortir, celle-là, parce que sinon il partait tout seul. Juste au nez à la barbe de Elia. Elia qui fait une bonne entrée. Elia qui est dangereux, hein. Il est très rapide. On voit que si tu lui laisses. Fast Nart, attention. Bien joué, Cognac. Cognac, énorme match. Et qui fait son crochet. Oh, qui met une balle en profondeur. C'était magnifique l'idée. Et Bichard qui écarte sur. Cognac qui fait un énorme match. Énorme match. Il est fatigué. Attention, en passant tout seul devant Souleymani. Il croise trop. Mais il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu signalé de l'arbitre. Il me semblait qu'il était hors-jeu. Combien de temps il reste là? On est déjà dans les arrêts de jeu. Avec les cartons rouges, les cartons rouges des arrêts. Je crois qu'ils n'ont pas montré. Tous les changements. Sauf erreur, ils n'ont pas montré les arrêts de jeu. Ils se préparent le panneau. Je crois que c'est Dani qui prépare les. Ouais. Non, c'est pas Dani. Ah non. Il y a le public qui s'élève là. C'est un dégagement pour. 7 minutes. Donc. Kasumbwa qui dégage. Et Samira qui se claque pas, hein. Il était assis en tribune et il arrive à dégager quand même. C'est magnifique. Là, Kasumbwa qui s'échauffe un peu là. Touche pour sortir adducteur, côté droit. Adducteur. Voilà, on s'échauffe un peu. Les bras. La nuque. La tête. Eh oui, on s'échauffe un peu. Sauter, nous on est chaud. Nous on est chaud. Ah, nous on est plus que chaud. Si, il faut appeler à nous, Guéguer. Nous on est chaud pour rentrer. Bon, moi après un sprint, je pense que je me claque, mais toi je sais pas, mais moi oui. Ouais, non, attention, IB qui repart en contre-attaque. C'est pour Elia dans la profondeur. Attention, qui a un contre-un contre Vouillou. Côté gauche de la défense servetienne. Vouillou qui tient bien. Elia qui revient en retrait. Attention à Michel. Il ne faut pas laisser frapper. Bien joué. Cognac de nouveau. Qui relance. Cognac. Excellent. Oh là là, le Brésilien des servettes. Attention, pas peur, c'est bon. On est aux 30 mètres, Elia qui tente le 1-2 avec Fasnacht. Fasnacht, il lui a pas remis. Fasnacht qui s'est retourné, mais dans le mauvais sens. Il va centrer, attention, lui. Oh là là, il a centré pour qui? Et c'est pour Vouillot, excellent. Qui dégage, bien joué ça, Cognac. Cognac qui gagne son duel. Allez, Cognac. Il n'arrive pas à passer devant le défenseur. C'est un ballon pour Van Balmos qui va certainement dégager. Voilà, Van Balmos qui cherche de l'autre côté, côté gauche. C'est bien joué ça. Et c'est sauf erreur là-bas, Souleymani. Ouais, c'est Souleymani qui va affronter Sautier. Qui centre
Oh là là, quel calme de Routis, qu'il a calme. Donc il y a une chance, il y a Fasnacht derrière lui, il fait amorti de la batterie pour Kassimboua. Tazar sur le côté gauche qui repart de plus belle. Qu'il trouve Konate. Non, Schalke. Qui essaie de lui remettre. Jouer sur... Il a des bonnes idées, Schalke, mais à la réalisation, c'est un peu moins. Ça va dans tous les sens, Mati. Ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de calcul là. Et Fasnacht avec Routis, ils sont au coude à coude, Routis. Oui, bien joué, Routis. Qui parvient à dégager ce ballon en tackling. J'ai vu sa tête dans le sprint, il donnait sa vie, Et le tackle, il arrive. C'est super ça, jeune Routis. Il a donné sa vie. Et Bicher, aux 30 mètres, attention, Servette qui est dans ses 16 mètres. Hein. Allez, il faut tenir tout ça, les gars. C'est Souleymani côté gauche, Souleymani, qui attention. Va provoquer Sautier, qui joue sur Garcia, voilà, qui fait un contrôle trop long, qui va en... Garcia, il est parti. Il va en tribune. Alors, il est parti où? Au TPG. Il est parti... Ouvrez les stades, qui va au TPG, il a le train à prendre. Non, voilà, balle Servette, tiens. Tranquille, mon Joël. Les grenades. Alors, Kassimboua qui joue avec Routis derrière, qui retrouve. Allez, Tazar, on est déjà à la ligne médiane. Tranquille, la ligne médiane. Fasnacht, oh là là, oh dommage. Ibe qui parvient à se dégager sur Elia dans le rond central. Elia qui fait une superbe remise de la poitrine sur Souleymani, qui change de nouveau de jeu sur Fasnacht. Fasnacht qui essaye de jouer en première intention, mais qui joue dans les tribunes. Ouais, il a complètement loupé son geste. Mais bon, il y a la fatigue aussi. C'est Oane qui indique bon, à son équipe. Bon, c'est Oane, on a l'impression qu'il veut aller marquer à la place de son équipe. C'est Oane qui dit à Elie de venir précédemment. Routis, Cognac qui prend son temps, il va donner la voile à Tassar. Grand résultat voilà. De Servette, hein, quand même, malgré tout. Hein. Oui, on se dirige à un quatrième match bah, nul. Ouais, même contre le double champion oui, en titre. Oui, c'est un bon résultat, malgré tout. En plus, avec toutes les absences qu'on a, c'est un bon résultat. Je pense pas qu'il y ait Young Boys s'attendait à faire un match. Non, pas du tout, Mathieu. Allez, on revient. Au direct avec Lustenberger en défense centrale. On rappelle qu'on est à 10 contre 10 hein, avec les deux expulsions de Jean-Pierre Nzamé et Jérémy Frick. Côté gauche avec Garcia. Attention, on est au 30 mètres Servettien. Allez, le Imery. Ah non, Imery, c'est Imery à la lutte. Bien joué. Allez, simple. Avec la balle, Sautier qui dégage. Long ballon sur Konate. Allez, Konate, il faut la garder. Konate, garde-moi cette balle. Oui, super bien joué sur Cognac. Remise de Konate. Cognac qui décale sur Tazar. Tazar, va. Tazar qui pose son sprint, oui, bon retour. Oui, c'est bien. Bon super tag de la Bichère. On a la ligne médiane, avec Tazar qui va se charger de la remise en jeu, sur Schalke. Schalke qui se trompe un petit peu. Qui se trouve, attention, parce que là, il y a le couleur qui est Ondua qui vient. Il fait le ménage. Grosse faute, ouais. Oui. Il a de la chance. Non, il a de la chance, pas de carton. Ouais, heureusement. Mais il a fait le ménage. Heureusement qu'il fait la faute, d'ailleurs, parce que c'était une faute tactique. C'était limite. Hein. C'était limite. Normalement, c'est carton jaune. S'il n'avait pas de carton avant, je pense qu'il. Ouais, ouais. Je pense qu'il donc voilà. D'ailleurs, Ibé. Mais à chaque faute, il vient de mettre la faute sur le. Mettre la pression sur l'arbitre. Mais l'arbitre, il a fait un beau match. Ouais, il a fait un beau match, l'arbitre. Match énormément. Franchement, un match plus que correct de la part de l'arbitre. Rien à dire. Attention, Souleymani qui va jouer dans le box, on est au 40 mètres, mais Souleymani qui joue direct, c'est parti. Ouh, excellent coup franc, attention, et c'est Kassimboua qui peut la récupérer. Mais quelle qualité des coups francs qu'il a. Il a vraiment une patte gauche incroyable. Incroyable, c'est pas pour rien qu'il a joué à l'Ajax. Kassimboua qui dégage. Oh là là, magnifique dégagement sur Cognac. Oh là là, dommage qu'il n'ait plus son contrôle un petit peu long. Oui, mais c'est la fatigue aussi. Ouais, c'est clair, il a tout donné, notre ami Timothée. Et il va récupérer la balle. Il fait un match d'anthologie, ce Cognac. Franchement, il est en pleine confiance. Attends Mati, c'est Ondua qui fait la touche côté gauche. On est au 16 mètres de Ibé, mais c'est Ondua qui va faire une remise en jeu extrêmement longue. Comment ça travaille la musculation? Oui, c'est pas mal, c'est intéressant. Sur Konate, dommage. Konate qui, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a juste loupé la balle en aile de pigeon. Et Ondua qui tape un sprint pour revenir. Ouais, excellent. J'adore ça. Oui, c'est ça. Ça, j'adore. C'est ça. Tu reviens vite et après tu calmes, tu récupères. Tu te mets dans le bloc d'équipe et puis après tu peux te reposer. Long ballon de Serensen sur Souleymani. Qui charbon, Souleymani. Qui arrive à la voir, qui centre. Attention, on est dans les 16 mètres Servette. Oh, Fasnacht. Bon, bien joué. Bouillot qui est toujours bien placé aujourd'hui. Excellent. Super excellent. Match. Long ballon de Ondua. Allez, Schalke. Mets ta pointe de vitesse. Il est au duel avec. Dommage de Louis Stenberg qui joue bien le coup. Il a l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Et il met son corps en opposition. Ça, c'est l'expérience de. Tu sais, Schalke qui fait. Il a plus la vitesse, mais il a cette intelligence des jeux. Qui lui permet encore de jouer à ce niveau. Garcia, côté gauche, attention, il a une bonne palette aussi.
Mais c'est vous, mais toujours Petit Muñoz, il a fait un match énorme. Super premier match. Énorme. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Quel match? Quel match exactement? Quel voilà, il y a plein de... Et tous les joueurs, ils sont à terre presque. Les Servettiens sont à l'agonie. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais même les joueurs de Young Boys, ils sont par terre. Et là, certains on voit Fasnar, aussi. C'était un grand match. On voit Lustenberg par terre. Non, mais c'était un match intense. Et un partout contre les premiers du classement avec Sengal. Ça fait les affaires de Sengal. Sengal qui, s'il gagne, va passer devant. Sengal, s'il gagne le prochain match, il passe devant. Et qui va être en position idéale pour le titre. Devant IB, mais tu sais quoi, ils se sont retrouvés déjà il y a deux matchs dans cette situation et ils sont passés à travers contre Zurich. Ouais, absolument. Donc voilà, Servette, franchement, chapeau. Chapeau aux jeunes qui ont joué ce match, notamment Bouillot. Il a prouvé que le coach pouvait compter sur lui. Énorme match du petit jeune, énorme match de Konya. Et bah, chapeau à toute l'équipe, franchement, toute l'équipe, chapeau. Tassar, Tassar, il n'a pas joué à son poste, il a fait un match énorme. Vraiment, Charles qui rentre, qui obtient ce penalty. C'est dommage qu'on encaisse un but tout de suite après l'avoir marqué. Il aurait fallu garder ce score un petit peu plus longtemps pour vraiment mettre le doute dans la tête d'IB. Bon, après, les événements se sont enchaînés. On a eu cette expulsion de Frick aussi qui aurait pu être décisive parce que IB, on sent que quand même physiquement. Ils sont vraiment, vraiment intéressants. Hein. Donc, pour moi, un grand match des deux équipes, j'ai même envie de dire. Alors là, on va voir. Voilà, on va voir quelques actions buts, du match. Les buts des Young Boys. Non, les poteaux. Là, on voit le poteau des Nzame. Qui tape pied gauche. Voilà, JP. Et puis Frick, il était battu. Alors, JP, à l'image de son match, hein, malheureux. Hein. Là, on va voir l'action de la tête des Koné. Qui coupe au premier poteau sur le super centre de Micha. Mais qui sent vraiment bien le coup, qui passe devant le défenseur, c'est super bien joué. Mais là, le gardien qui fait un bon arrêt. Là, il y a le pénalty, dommage qu'on ne voit pas l'action du pénalty, mais là, on voit le pénalty de Koné parfaitement tiré. Heureusement qu'il la tire forte, hein, parce que le gardien est parti du bon côté. Ah, mais c'est bien pour la confiance, je crois que ce but va lui apporter plus de confiance. Et là, et regardez l'action de Souleymani qui joue super bien. Talonnade, il trouve Gaudino. Et Gaudino aussi, techniquement, c'est pas mal non plus. Et puis là, on voit hein. que malheureusement, Boris de Villaval est plus fric qu'il pourrait en faire. Pour IB, ouais. Bon, c'était... Là, on voit les Servettiens qui vont voir le public. Servette qui va saluer son public. Super match. Franchement, rien à dire, ils sont mouillés le maillot, Voilà, le championnat est dur, jouer tous les trois jours, il est long, il est fatigant. Et puis voilà, malheureusement, on va faire comme ça. Mais Servette qui doit quand même garder le positif hein, de ce match. Même de son début de saison, même si les résultats ne sont pas forcément ceux qu'on espérait. Et encore, je veux dire, ils sont toujours invaincus. Toujours invaincus. Avec deux matchs nuls, c'est vrai que tu n'avances pas, mais Servette est sauvé. Servette maintenant a l'occasion de se retaper un petit peu au prochain match. Et puis c'est très positif d'avoir pu lancer ces jeunes dans le bain. Exactement. Et il faut retenir quel côté positif. Ils ne sont pas perdus un match. Ils font des super prestations. Il s'arrive à lancer des jeunes comme Vouillot aujourd'hui qui a fait un super match et qui avait un des plus grands tests du championnat. Il avait Nzame, il l'a mis dans ses petits souliers. Hein. Exactement. Donc, alors Jean-Pierre aussi qui n'a pas eu de réussite. Hein. Nous on le connaît bien. Oui, voilà, mais je pense pas qu'il a fait exprès sur Sautier. Moi non plus, je pense pas qu'il a fait exprès. Mais voilà, l'arbitre il l'a vu. Peut-être un petit peu de frustration aussi. On se souvient de cette action où il rentre un petit peu dans le cadre Afrique. Oui, exactement. Il n'était pas serein. On a senti qu'il était tendu. Ouais, il était un petit peu tendu. Ouais. C'est souvent comme ça contre tes anciens clubs. C'est soit tu fais le match de ta vie, soit tu passes à côté. Tu es bien placé pour en parler parce que ici, tu te souviens que tu avais joué contre nous avec Ribé. Bien sûr. Et puis c'est pas facile. J'avais été un fantôme. J'ai pas dit ça. Mais c'est pas facile de jouer contre son ancien club. C'est sûr. C'est soit tu fais un match parfait, soit tu passes à travers. Aujourd'hui, Nzame, il est passé à travers son match. Tant mieux pour Servette. Et n'a pas eu de réussite parce que le poteau, bon, si elle finit dedans, c'est exactement pareil. C'est vrai, ça fait partie de ça. Si t'es pas en réussite, ça veut dire que match il est passé à travers aujourd'hui. Donc voilà, je suis content, c'est un bon point. Écoute, un point qu'il faut prendre avec beaucoup, beaucoup d'espoir pour la suite parce que encore une fois, il faut regarder pas forcément sur le court terme, sur ce championnat, il faut regarder la suite. La suite, c'est l'année prochaine quand on aura fini ce championnat où on est déjà sauvé.
On peut toujours aller accrocher l'Europe, bien sûr. Après, si Bâle gagne, ça va être compliqué. Mais c'est pas forcément l'objectif. C'est sûr qu'on est Servette, on est un grand club suisse. Mais là, franchement, c'est pas le bon timing pour aller chercher l'Europe. Voilà. Si ça vient, oui, tant mieux, mais c'est pas ça qui est... Non, mais il faut toujours regarder les circonstances, le contexte. Et là, le contexte aujourd'hui, il était défavorable à Servette. On a un IB qui vient en champion avec son armada. Armada, totalement. Servette qui doit jouer avec Tazar latéral gauche. Donc bon... Tazar latéral gauche, Bouillot qui a presque pas d'expérience. Donc il faut surtout pas faire la fine bouche d'un résultat comme ça. Hein. Même si, bien sûr, on a été pendant quelques temps en supériorité numérique. Voilà, non, c'est un super. Et puis voilà, on a pas respecté cette équipe, on a tout donné, on n'avait pas peur, on a montré un super visage de Servette. Et puis voilà, moi je suis très content du visage que j'ai vu aujourd'hui. Les résultats, on va dire que ça me convient, de faire un partout contre Young Boys à la maison, même si on sait qu'on a fait un super match. Mais on sait qu'on avait énormément d'absents, donc moi je suis très content de ce match nul ici. Allez, après. Comment tu vois la suite ? La suite, écoute, maintenant il faut qu'ils se reposent. J'espère qu'on n'a pas encore des blessés. Et puis voilà, là on va récupérer Rouillet qui était suspendu. Ouais. J'espère que les blessures de Sasso et Iapacino, c'est pas très grave. Et puis voilà, j'espère qu'on va les retrouver vite. Même si on sait qu'aujourd'hui on peut compter sur Bouillot derrière, il a fait son match. Maintenant Frick, il va pas être là pour le prochain match, voire deux, mais je pense que non. Je pense qu'il va prendre un match. Encore une fois, c'est là qu'on voit qu'une équipe, c'est pas que 11 joueurs. C'est tout un effectif, c'est 18, 22, 23, 24, 25 joueurs sur qui on doit pouvoir compter. Et ceux qui se jouent pas forcément souvent, ils doivent de tout donner l'entraînement pour être prêts quand on fait appel à eux. Et en plus, on joue tous les 3 jours. En plus, on joue tous les 3 jours. L'importance de l'équipe, c'est primordial. Tout le monde va avoir sa chance, tout le monde va jouer. Donc, il faudra répondre présent à ce moment-là. Quand le coach va t'appeler, va faire appel à toi, il faudra être présent, il faudra tout donner. C'est pour ça que les entraînements, ça compte, mais plus que jamais. C'est ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Une nouvelle fois, vous étiez nombreux. Un grand, grand, grand merci à tous pour ce deuxième SFC Live. La prochaine fois, tu seras... pas forcément là, on verra ce qu'on fait. Oui, je me vois pas trop être tout seul sans mon Omar Da Fonseca. Oui, on verra. Uruguacho. En tout cas, voilà, moi aussi je tiens à vous dire merci à tous, merci à tous les Servettiens. On essaye de faire de notre mieux, en tout cas on passe des super moments avec Tim. J'espère que vous aussi vous profitez à la maison et à travers nous. Donc voilà, on vous dit à bientôt, on vous fait des bisous, prenez soin de vous. Besos. Et puis, à bientôt. Ciao, 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 ciao. Salut à tous. Revient enfin. Tous les matchs uniquement sur Téléclub. Faites-le plein de football. Abonnez-vous dès maintenant sur téléclub.ch/sport. C'est Nicolas Vouillot. Je m'appelle Mathieu Becher. Je m'appelle Ricardo Alves. Alexis Martial. Je vais avoir 19 ans dans quelques jours. Je suis au Servette FC depuis moins de 14, donc j'ai fait toutes les catégories juniors. Et puis pour finir, j'ai intégré depuis peu la première équipe. Pour moi, c'est une grande fierté, j'attendais ce jour avec impatience. Maintenant, je sais que c'est que le début et qu'il faut continuer à bien travailler pour essayer d'avoir du temps de jeu. Ils m'ont bien intégré. Bon, j'étais déjà depuis le début de la saison, je m'entraînais déjà avec la première et puis ça se passe bien.
les grands, ils m'intègrent bien, ils parlent avec moi et tout va bien. C'est une bonne pression en fait. On est content de fouler la pelouse du stade de Genève, donc ça fait plaisir. Et en espérant que ça en appelle d'autres pendant ces 13 matchs, et on reste concentré et là pour le coach. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont intégrés avec la première équipe. Et du coup, je connais beaucoup de jeunes et ça m'aide justement à m'intégrer en première équipe. Après les plus anciens, ils nous mettent vraiment à l'aise dans tout ce qu'ils font. Ils nous donnent des conseils au quotidien, etc. Et nous, en tant que jeunes, ça nous aide beaucoup. Ouais, c'est sympa, ça me donne un peu plus de confiance. Puis de les retrouver avec la première, c'est une fierté aussi. Ouais, bien sûr, on voit déjà des jeunes qui sont depuis plus longtemps, comme par exemple Imery ou encore Alves. Et ça fait plaisir de voir que le club il compte sur nous.